C'est bon, ça a commencé. Sexe. Voilà. Soir. Bienvenue dans Cops épisode je sais pas combien. On doit être au 12 ou 13, je pense. Ok. Déjà appel des faits. Oui. Alors que l'inspecteur Damasque va foutre tout le monde au trou parmi les cops, derniers ont décidé d'aller infiltrer une université histoire de pas se mettre dans la merde encore plus. Et attends. Le pire. C'est qu'il faut exfiltrer une étudiante. Ah, ça sent bon la merde. Bon. Désolé. Messieurs, alors, je vais te dire que j'en sais goût. Là où vous en êtes resté, à savoir la préparation de ce que vous allez faire. Mais alors, Guillermo et ASK, alors du coup on va dans 30 secondes, mais... Mais voilà. Juste pour, c'était pour le faire venir. J'ai Kevin, donc Danny m'a donné des instructions sur son perso vu qu'il est pas là. Savoir que c'est simple, il sera en soutien, savoir c'est lui qui conduit la voiture si personne n'est là. Ah. En gros, il viendra en backup si pendant l'infiltration. Ok. Ok. Qui me permet de pas avoir à gérer pendant l'infiltration. Et ça empêchera l'agent Akilian de tirer au flanc dans la bagnole. Parce qu'il n'y a pas au flanc dans la bagnole. Il tire pas au flanc, il tire quelques fois, c'est tout. J'ai tiré une fois. Il a pas touché au flanc. Ce que tu fais de ton argent. Alors, par contre, le sniper l'a touché au flanc, je crois. Oui. Et par contre, il a touché au flanc. Donc c'est pas un tireur au flanc, c'est un tiré au flanc. C'est pas la même chose. Oui. Alors, c'était pas vraiment le flanc, c'était plutôt le gras du bide. Mais Mais du coup, ça ressemble à quoi un tiré au flanc? Je veux dire, c'est un phare breton? Comment ça marche? Ouais, c'est Bon. La partie. Donc je vous laisse reprendre là où vous étiez, à savoir comment infiltrer, comment aller, que va-t-il se passer, comment allez-vous mourir, comment allez-vous vous retrouver en prison. Alors moi je propose, quelqu'un sacrifie sa vieille bagnole toute pourrie. Enfin, une voiture bélier. Et comme ça attire la foule et nous on passe par l'autre côté et on rentre et on fait le truc. Voilà. On sent des grenades. Alors, d'un point de vue purement technique, le fait que l'agent Christopher C'est pas moi. C'est toi. A passé quand même une bonne partie de la journée à récupérer des uniformes. Je pars du principe que en gros, vous aurez des gros bonus, à savoir en termes de réussite. Je vais vous demander que sur des jets normaux, qu'une seule réussite sur l'infiltration, pour les jets d'infiltration. Tu veux dire qu'on va se planter? Je veux dire qu'il a fait un job de repérage, ce qui vous donne des bonus. Yeah. La question est de savoir qui rentre, qui reste dehors. Parce que ceux qui rentrent doivent faire un... Faut qu'il soit, on va dire, relativement discret pour pas faire tout échouer, quoi. Ouais, alors si tu nous fais le coup, les premiers seront les derniers, on l'a déjà fait avant toi, hein. Alors, je rappelle aussi que, Christopher a fourni les vêtements... Il y a quatre vêtements d'étudiants. Mais masculin. Et une écharpe de professeur. Ah oui, c'est vrai, il a une écharpe de professeur. Yep, je vais la garder pour moi, je pense. Parce que moi, je vois mal passer en professeur. Alors, je pense que ça serait peut-être moi le plus...
Non, toi, t'es une fille, j'ai pas de vêtements de fille, j'ai que des costumes masculins. Ah, bah oui, mais l'écharpe. L'écharpe, c'est unisexe. Non, parce que un prof est habillé en civil. Et il a juste l'écharpe. Il va draguer des étudiantes, non? Mais je suis une femme. Mais non, c'est une nana. Et alors? Mon perso est. Non, mon perso est pas bisexuel. Ingrid, elle est hétéro, bon, un peu végétarienne sur les bords, mais ça va. Je savais bien qu'il y a un truc qui cloche chez toi. Oh mon dieu, elle est végane. Attends, je suis désolé, il y avait des gens très bien qui étaient végétariens, hein. Adolf Hitler, quoi. Et bam, point Halloween dans la partie. Voilà, et bon, c'est fait. Suivant. Ça, c'est moche, monsieur. Bah oui, je sais. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui, s'introduire dans l'université, c'est pas le plus compliqué. Par contre, est-ce que Mélissa nous avait donné un point de rendez-vous? Le musée 3. Non? Le musée, ouais. Le musée. Elle a dit qu'elle se cachait dans le musée. Et donc, on sait où est le musée, nous, avec notre repérage. Monsieur Christopher l'a vu. Alors, il l'a vu et vous avez un plan. En plus, ah bah c'est merveilleux. Bah, dans mais ce c'est cas-là, pas que j'ai fait mon travail, mais bon. Où est le problème? Eh ben, je sais pas. Est-ce qu'il y en a un de problème? Parce que, eh ben non. On s'introduit idée. Discrètement, connaissant les environs. Oh mince, voilà-t-il pas que je. On trouve la fille, espagnol, on la ramène, et c'est terminé quoi. j'ai une question. Ça peut paraître complètement débile. Est-ce qu'on dit au reste de l'équipe alpha, ça veut dire sniper, blue dog et compagnie, qu'on extirpe quelqu'un? Non. Moi je suis contre dans le sens que. Ça, un, ils vont nous dire de pas le faire. Deux, ça va les mettre au courant d'une infraction et que ça les rend complices. Et qu'on n'a pas besoin plus, de. Voilà. Je signale que l'espèce de société secrète en question, elle a des ramifications importantes. Hein. Donc ça peut aussi leur arriver aux oreilles. Ouais, ok. Donc faut que ça reste vraiment entre nous. Je serais plus, moi, pour dire qu'on l'a fait en undercover. D'accord, mais c'était juste une question pour mettre... Non, mais c'était comme on dit par chez nous, ça va sans bien, mais tellement bien. C'était une question légitime, et voilà. Ok. Bon, donc moi je dis qu'on va rentrer discrètement. Discrètement. Merci. Je n'ai pas demandé de le crier non plus. Alors la question c'est, est-ce que... C'est tellement plus drôle. Est-ce que... Ah, on essaye de rentrer par la porte avec nos déguisements et on espère que ça passe. Ou est-ce que on s'infiltre, on va dire, discret et une fois à l'intérieur, on met les déguisements pour faire si on est des mecs normaux, quoi. Alors si tu veux la jouer taquin, discrète. Tu peux essayer de rentrer discrètement en mettant ton masque de cops. Non, là, c'est con. Ah, mais c'est peut-être con, mais c'est taquin, quand. C'est surtout con, hein. La question, c'est qui est armé, en fait? Tout le monde a ramené un flingue, là. Oui, ça va. Qui est-ce qui emmène quoi à l'intérieur, surtout? Je pense que la question, c'est qui n'a pas son... qui a pris autre chose que son arme de service, peut-être? Ah ben, moi, clairement, je vais... Si voilà, si arme à feu je dois utiliser, je n'utiliserai pas celle de mon arme de service. Hein. Bon, mon autre arme est. Quand même identifié. Hein. Ben oui, je sais bien, mais voilà. Certes, mais l'idée c'est que bon, ça mettra peut-être plus de temps. Tu vois, j'arrive à rejoindre le Mexique avant qu'il me chope, quoi. Au cas où. Je peux faire passer si tu veux. Alors, j'ai envie de dire. Je suis pas sûr que t'arrives à. Il faut mieux pas que tu t'approches du Mexique, toi. Oh, tout de suite, ça. Je verrais plus le Canada, tu vois, c'est... Non, parce que là-bas, j'ai énervé Machete, et il m'attend. Ah ouais. T'avais énervé que Machete. Mais il est pas sur la lune, lui. Cartel qui t'attend, mon grand. Bon, on attend Machete qui tue dans l'espace. Hein. Bref, tout ça pour dire que... donc, on rentre discrètement avec nos armes, à savoir nos armes de service, plus certains bonus pour certains. Si les certains peuvent énoncer les bonus au MJ, ça serait cool. Bah, il le sait. Hein. De plus, j'aurais tendance à dire que... alors, clairement, si on doit faire usage de l'arme à feu, c'est qu'on a échoué quelque part, je pense. Hein. Mais... vous avez tous un tonfa aussi. Hein. Ouais. Ah, bah ça peut être cool, ça, le tonfa. Et,
Et qu'on sait à peu près, qu'on sait à peu près normalement se battre à main nue aussi. Oui. Bon. Ouais, mais c'est mieux avec un tonfa. Oui, je suis d'accord. Donc, toujours est-il, la question c'est est-ce que on se fait la courte échelle et on passe par-dessus le mur ou est-ce qu'on essaie de rentrer par la porte et dans le déguisement? Christopher, qu'est-ce que t'en penses? On peut mixer les deux. Ça vous fait une partie qui rentre déguisée et une autre partie qui fait le mur. Oui, ça peut être pas mal. Mais... Surtout que Christopher sait à peu près où sont les caméras vu qu'il a eu le temps de les repérer. Oui, j'ai visité un petit peu déjà. Je rappelle que sauter au-dessus du mur, c'est athlétisme carrure à 1 de difficulté. Sachant que je pars du principe que si vous faites la courte échelle, il n'y a pas besoin de faire le jet. Le jet, c'est si vous le faites tout seul. Et ça, oui. Attends, je rajoute un truc, c'est que vu qu'il y a au-dessus du mur, il y a des barbelés, il faut poser une couverture sur les barbelés. Je pars du principe que vous l'avez pris parce que Christopher a fait le repérage. Donc il n'y en a qu'un seul qui va faire un jet d'athlétisme, c'est le dernier, parce que lui, il ne pourra pas se faire la courte échelle à lui-même. C'est ça. Alors il est très fort. Donc résultat des courses, je te balance par-dessus le mur, Lynn, et puis moi je monte. Donc vous avez mis les affaires dans le sac, c'est ça, de l'université? Pas compris. Obi. Alors, le plan, d'après ce que je vois, c'est que au moins deux d'entre nous, Denis et moi, Lynn, on passe par le mur, et donc lui me fait la courte échelle et il passe derrière. On est plutôt, je pense, habillés tous les deux en pyjama noir. Sachant qu'il y a probablement de l'autre côté, si on rentre, on va dire, dans la civilisation et qu'on est obligé de croiser des élèves, etc. Enfin, moi, en tout cas, je mettrai l'écharpe et lui, je pense qu'il enlèvera sa veste ou je sais pas quoi pour laisser l'uniforme de l'école. S'il y en a un qui lui va, quoi. Ah bah, tu sais, d'abord, les campus, c'est très peu éclairé. Hein. Regarde, les tueurs d'étudiants se baladent dedans, ils sont jamais repérés. Vous avez des trucs à la taille. D'accord. Je réfléchis, je vérifie juste un petit truc pour la nuit. Cocoon. Ouais. T'es pas sur Rollisteam. Oh, excuse-moi. Non. Je vais pardonner. Merci, maître. Non, c'est parce que le pardon et le pouvoir de Dieu. Non, c'est Chrome, le... Obin est la chic à la droite, c'est tout. Ouais, j'ai dit, Obi, de toute façon, dans les campus, c'est très peu éclairé. Hein. Regarde, tous les tueurs d'étudiants se baladent sans se faire repérer facilement dans les films d'horreur. Donc, la nuit... Non, mais tu joues 300, moi. La nuit, juste à titre d'info, les barrières d'entrée des étudiants à l'arrière, au nord et au sud, sont fermées par des cartes magnétiques. Alors, les étudiants ont des cartes magnétiques, mais pour le coup, bah, vous en avez pas. Ah, bah du coup, on passe tous par là, alors. Ouais. On va passer par le mur alors. Bon. Alors du coup, évidemment, on s'infiltre à un endroit où on est à peu près à l'abri des angles de caméra. On avait trouvé l'endroit même la dernière fois. Et est-ce qu'il est proche du musée? Pas forcément. Mais de toute façon, on s'en fout, après on peut se balader. Je vous ai qu'un seul jet hein, à chacun pour la discrétion. Donc, Bon, de toute façon, ça va être en gros, là, il y en a qui font alors... un peu le guet pendant que j'en suis en train d'en monter un. Et puis voilà, quoi. Ouais. La question, c'est est-ce qu'il faudrait pas que... si on doit partir en courant et en cavalant, on va dire en mode urgence, on fait le même ordre de passage, c'est-à-dire que Christopher, tu nous fais passer. Pas Christopher, Denis, tu nous fais passer. Et du coup, tu sortes en dernier. Oui, moi je me démerde. Il serait de bon ton de pas laisser la couverture sur les barbelés, parce que c'est visible. En même temps, tu refous la couverture côté, au pied du mur. Sol, hein. Je la récupérerai, et puis voilà, il n'y a pas de problème. Je gère. Et on repère tous où était l'endroit par où on est rentré, qu'on sorte tous au même endroit. Voilà, une petite flèche. Est-ce qu'on a... C'est notre question. Est-ce que sur le plan, avec l'aide de Christopher, on peut identifier des sorties? Parce que, genre, est-ce que pour sortir par les portes, il y a besoin d'avoir le pass aussi? Ben, est-ce que j'ai besoin d'avoir le pass? Non, clairement, t'as besoin du passeport. C'est au pass la nuit. Ok, d'accord. D'accord. Rien ne vous empêche de massacrer un étudiant pour utiliser son pass, mais bon. Non, c'est pas trop. Incite-nous à faire des conneries. Ouais. Par contre, je suis certain que si tu déclenches une alerte incendie, les portes doivent s'ouvrir automatiquement pour laisser partir tout le monde. Normalement. Normalement. Y a des chances. Ouais. Bon, donc ça nous donne déjà une possibilité. De tous les cas. Quelqu'un a Zippo avec lui? Dans tous les cas, vous avez fait le tour rapidement du campus, juste pour faire un truc. Aux portes, à la porte nord, vous avez vu un gardien.
qui marchait avec une lampe torche, et au porte sud, vous en avez pas vu. Donc, a priori, bon, il y a des caméras de sécurité, mais il y a plus de gardiens, il y a deux gardiens qui sont là le jour aux portes, là, il y en avait qu'un seul. Mais bon, c'était à un moment T. Peut-être des patrouilles ou tout ça, mais bon. On va essayer de pas se faire prendre. Donc, ils sont peut-être au salon alors. Non. Si quoi, comment? Bah si c'était l'instant T, ils sont peut-être au salon. Je suis en train de boire un thé aussi, mais... Voilà, c'est ça. Bon. Non, mais des fois elle va loin. Des fois ça va loin, ok, d'accord. Revenons sur notre infiltration. Donc on va faire notre... on va passer par-dessus les barbelés. Ok, c'est fait. Le dernier qui me fait son jet d'athlétisme. C'est délicat. Athlétisme carrière. Attends. Oh merde, j'ai oublié de lancer ma fiche de perso. Carrière de 4, athlétisme... J'ai 7, je crois. C'est dommage qu'on ait pas les prochaines versions de Rollistime en ligne. Hein. Ah, tiens, il ne l'a pas sauvegardé alors. C'est vrai que t'avais pas... J'ai gonflette. Ouais, non, mais c'est 4 plus 1, en fait. Bon. Bon. Trop simple. Ouh, ben dis donc. C'est chaud, quand même. Ouais, alors, je pense que pour ces jets-là, on peut utiliser l'adrénaline, hein. Par exemple, si on doit se barrer vite hein, à l'occasion. Alors, techniquement, juste pour l'infiltration, je vais vous demander tous un jet donc soit de déguisement, soit de discrétion, donc vous êtes déguisés. S'il y a en gros un échec, je fais jouer des péripéties. Si vous réussissez tous, vous passez sans problème. Et tu prends quoi comme caractéristique sur la discrétion? Alors soit sang froid, soit coordination, à votre choix là. Pour le coup, les deux me vont. Parce que ça va être sang froid. L'un ou l'autre, ouais. C'est la même valeur pour moi. Donc, discret. Prêt. Oh, c'est pas possible. Discret aussi. Prêt. Bon, à ce niveau-là, c'est on est en mode ninja. Attends, il reste un. Bim. Alors, comme ça, Denis, quand il a sauté, il gueule. Ouais. Alors, yeah, si tu as un point d'ancienneté, c'est le moment de le dépenser, hein. Aussi. Point d'ancienneté. De quoi? D'ancienneté. Non. Ah bah non, c'est pas ça. C'est moi, c'est un autre. T'as que des points d'adrénaline. C'est ça. Après, tu peux très bien demander. T'as comment s'appelle? T'as un coéquipier. Cocoon. T'as un point d'ancienneté, par exemple. Chris. Alors, Chris est absent pour le moment. Est-ce que je peux prendre un message? Oui, c'est vrai. Ouais, il le laisse dans la merde. Ok. Ça serait pour utiliser un point d'ancienneté pour faire une relance, tu sais, pour éviter qu'on ait des emmerdes dans. Mais, non, ça te donne un succès. Ça donne un succès, c'est ça? Ouais. Oui, automatique. On peut se les passer. Oui, bah, oui. Entre coéquipiers. Ouais. Oui. Oh, bon, bah tiens, prends-le. Merci. Et du coup, Guillermo est mon équipier et Denis et Christopher ont été équipiers. Elle est pas belle la vie. Et Danny et Rick sont équipiers. Ce qui est con, c'est que Rick, on l'a pas beaucoup vu. Hein. Oui. Ouais, donc. Mais il a la chasse, c'est pas grave. Donc, résultat des courses, en fait, tu m'échanges avec Chris quoi. Non, c'est je pompe sur la feuille de Chris. Ah oui? Il avait de. Un point d'ancienneté, il passe à zéro là pendant 24 heures. D'accord. Sachant que moi j'en ai pas de point d'ancienneté, c'est fou, c'est fini, hein, j'en ai plus aujourd'hui. T'as tout dépensé. Ouais. C'est pas grave, Clon il en a un d'adrénaline, un d'ancienneté. Ouais, ça coûte cher. Bon, ok. Direction alors, le musée. Donc. En gros, pour résumer, donc Denis se trompe de route et allait penser trouver le musée en allant vers une maison d'étudiants. Et il y a Christopher qui le chope et qui lui fait oh, hey, oh, tu vas où par là? C'est par là, coéquipier. C'est dommage, si ça avait l'air c'est sympa. Le quartier il y avait de l'alcool filles, en plus et des filles. Ça, voilà. Et surtout des filles. Dans tous les cas, vous arrivez. Comment ça s'appelle après, bon, vous. Assez rapidement, mais de façon alerte, hein, au muséum de l'école. Les portes du musée, normalement, sont à carte magnétique. Mais il y en a une ouverte. Cool. Yeah. Ou pas. Ouais. Ouais, mais bon, ça veut dire qu'il faut être super méfiant.
Je vous dis, on va sortir le tonfa. Vous voyez, c'est une grande salle, vous rentrez dans une grande salle. Dans cette pièce se trouvent les coupes importantes remportées dans l'histoire du campus, les symboles des périodes clés et des objets fétiches. Parmi eux trône un immense aquarium, seule distraction du fondateur de la Lomax, à savoir Maître Lomax. Et pendu par les pieds, la tête en bas plongée jusqu'aux épaules, Mélissa regarde avec ses grands yeux de poisson mort les nouveaux venus. Sur l'aquarium, au marqueur, le symbole de la haute cour a été dessiné. Et donc, on voit bien qu'elle bouge plus. Ah bah, elle est canée, hein, clairement. Si on lui donne un peu de nourriture pour poisson. Les alarmes du campus retentissent de partout et les lumières s'allument. On évacue. Donc, ah bon, voilà, alors, ça s'appelle un gros piège. Voilà, ça y est. Non, moi je. Alors, est-ce que je prends une est-ce que je prends une photo du cadavre? Alors, tu peux prendre une photo, vous pouvez fouiller rapidement la pièce ou vous barrer. Dans tous les cas, vous avez le temps à une action avant de vous barrer. Donc, vous pouvez faire une action avant de vous barrer. Chacun bon. Ou une action de dans ce cas, moi je fouille plutôt. Hein. Dans ce cas, moi je fouille plutôt. Scène de crime perception. Moi je regarde plus Mélissa, voir s'il n'y a pas un truc sur elle ou un élément. Ouh! Scène de crime perception! Ah ouais! Scène de crime perception pareil. Alors, perception. Ah, c'est violent ça! Mais la même. Ah non, scène de crime ça! Oh la vache! C'est quoi ça? Oh la vache! Et bim! J'ai niqué ton scénar! Ouais, bon ben, tu sais quoi, vu les jets, je voulais souiller, moi je regarde à la porte s'il y a quelqu'un qui débarque, quoi. Le mec il va checker Facebook, non, faites votre boulot, les gars. C'est ça, c'est... Non, c'est clair. Non, mais c'est... Non, je check... Je check si... Dès qu'il y a quelqu'un qui arrive... buste de Sir Lomax se trouve un sac à dos. Vous le reconnaissez parce que c'est le sac à dos qui avait été mis en consigne, c'est celui de Mélissa. Bon, on le prend, on se casse. Quoi que chose d'autre, à part que vous voyez qu'elle a bien été noyée, hein, a priori. Mais bon, vous n'avez pas vraiment le temps de vous attarder. Vous chopez le sac et vous barrez en. Oui, très vite. Ok, oui. Comment vous comptez sortir d'ici? De la même manière, à savoir en courir vers le mur, balancer la couverture et passer par-dessus. Je vais vous redemander le même jet que tout à l'heure. Et cette fois, la difficulté sera 2. Parce qu'il y a plein de gens qui arrivent avec des torches. De discrétion? Ouais. Oh, tout juste. Ah non, tout juste. Deux de torches. Ah merde. Oh. Ah, c'est deux succès de plus qu'avant ou... Non, c'est deux succès. C'est deux succès. Alors, Cocoon, est-ce que t'as un point d'ancienneté? Bah, je l'ai claqué pour Denis, moi. Non, c'est pas toi qui l'a... Ah si, si. Mais t'en as pas un deuxième? Ah si. C'est Chris qui l'a claqué pour oui, moi. Oui, c'était moi, oui. D'accord. Et bah, c'est mal barré. Okay. Donc tu m'as dit, sinon, c'est un jeu de discrétion. On dit, ils sont passés par là, on les a vus. Sans froid. Non, ouais. Non, ça marche. Non, pas allez, attends. Ouais. Ouais. La vache. Donc, grosso modo, on va se faire repérer. Non. Il me reste un jet encore. J'attends mon dernier jet. Ah bon? Je vois pas c'est qui que t'attends. Je te parie que là, je réussis. Vas-y. On a tous fait un. Hein. Bon, évidemment, courir sur un campus illuminé avec des gens qui courent partout. En gros, vous sortez, les gens sont là avec des torches, vous avez vos déguisements. Ce qui est bien, c'est qu'avec vos déguisements, même si vous êtes repérés, les gens, vous ont pas grillé, qui c'était, parce que vous avez fait une réussite. Mais par contre, vous avez vu, où sont les voleurs? Enfin, les gens vous parlent, parce qu'ils vous ont vu, en fait. Ils sont en train de chercher les mecs, qu'est-ce qui se passe? Les gens parlent avec... le campus, c'est des étudiants qui viennent, hein. Tout le monde a l'air un peu paniqué. Oh mon dieu, c'est affreux, il y a quelqu'un qui est mort dedans, il faut appeler une ambulance tout de suite. Tu dis ça, alors qu'ils sont pas au courant? Non, dis juste qu'on a entendu du bruit dans la serre et c'est tout, hein. Non, c'est dans le musée. Il y a le musée. Il s'est passé un truc à l'autre bout du campus, hein. Mais alors à l'autre bout, hein. Ils vont rentrer, il y a des gens qui vont rentrer. Vous êtes en train de dire des trucs avec des gens, les gens disent aussi d'autres choses. Dans tous les cas, il y a le chef de la sécurité que vous connaissez bien qui se dirige, bizarrement, droit vers le musée. Avec les autres gardes, vous voyez qu'il y a 5 gardes derrière lui, et ils vont vers le musée avec matraque électrique. Bah c'est le monde des filiales anglaises, les gars. C'est ça. On va se casser.
Ok, par où? On va essayer de prendre la tangente discrètement dans la foule. Dans tous les cas, les étudiants sont tous en train d'évacuer par les portes, qui sont ouvertes. Vu que y a les Est-ce qu'il y a moyen de piquer une carte qui traîne? Est-ce que quelqu'un en a une à la main ou dans la poche ou enfin plutôt dans la poche même? Ça va demander un jet en gros de y a pas de pickpocket mais l'équivalent avec une bonne difficulté parce que bah c'est pas vraiment ton truc quoi. Oui mais peut-être attends. Moi je vais demander aux autres hein, je vais demander aux autres hein. Ouais. Attends, il y a peut-être ça dans la dans le sac de C'est possible. Ah oui, dans le sac de Mélissa, il y a peut-être une carte. Ouais, mais vous allez vous poser pour voir le sac. Les portes de sécurité qui donnent vers l'extérieur sont toutes ouvertes. Hein. Oui, c'est une alarme, donc tout le monde. On sort de la foule, alors on prend la foule et puis on trace quoi. Oui, voilà. On cache le sac quand même, hein, histoire de que ça va pas se tâche, parce que s'il est un peu girly et que le lit qu'il porte. Non, il est pas girly, ça va. Il est classique quoi. Mais ouais, vous le cachez histoire qu'on puisse pas l'identifier, c'est lequel. Voilà. Ouais. Ok. Vous sortez dehors de la Lomax, vous voyez des voitures de police qui sont en train d'arriver. Il y a Danny qui se pose pas loin et qui vous fait un petit appel de phare. Ouais, bon, on y va. Hein. Ok, et puis je lui fais. Tu te mets sur le côté, c'est moi qui conduis. Non, mais t'as laissé la place. Voilà. De toute façon, c'est ma bagnole à la base. Ok. Et on va essayer de partir en sifflotant et en faisant les gars qui ont. La. Je te fais un conduite ou quelque chose? Je fais un jet de conduite ou pas? Non. Non, ouais, on part. Ouais, mais c'était au cas où quoi. Est-ce que dans le sac, est-ce qu'il y a un. Est-ce qu'il y a un truc genre téléphone ou appareil électronique qui pourrait être repéré portable, quoi. Sont vous êtes, vous allez regarder ce qu'il y a dans le sac pendant que vous faites le truc. Ouais. Je vérifie juste un truc. Excuse-moi pour voir. Je vérifie ce qu'il y a dans le sac. Justement. Ah putain, ce qu'on a oublié de regarder. Est-ce qu'il y avait des caméras dans cette foutue dans ce foutu musée? Ok. Après, j'avais dit, on n'avait pas trop des le caméras, temps. Hein, ils ont filmé ce qui s'est passé pour la nana aussi. Hein. Ah ouais, mais tout sera effacé. Hein. Et justement, clairement, mais pas pour notre présence. Bah, a priori, sur la caméra, on verra pas qu'on l'a tué, quoi. On verra quand on a vu le truc et qu'on s'est barré. Mais. Ok, donc. Dans le non, sac, mais ils verront qu'on a piqué un sac. Vous fouillez rapidement le sac. Vous trouvez un disque dur externe. Qu'on garde. Oui, bah, de toute façon, je pense que vous avez tout gardé. Une carte magnétique aux couleurs de l'école. Et qu'on peut garder, mais je sais pas si. Au dos de la carte. Si, on va garder parce que ça pourrait être intéressant si on veut se réinfiltrer lettre. Plus discrètement. Numéro de lettre sur la carte. D'accord. Et une clé. Ouais, de la clé. Ah oui. Et un masque blanc couvre toute une partie du visage, un peu un masque à la Commedia dell'arte. Okay. D'accord. Un petit jet de perception pour celui qui regarde le masque. D'autres difficultés. Ça sera pas moi. Ni moi. Bah Christopher, vas-y. Bah, pas, c'est ça. Bah, on va laisser Christopher. Je sais pas si t'as 4 en perception, oui. Mais c'est 6 la truc, oui. Ouais. Ok. Tu remarques qu'il y a une petite molette sur le coin du casque qui permet d'abaisser un filtre sur l'œil droit. Oh, ça peut être sympa, ça. Bah écoute, j'abaisse le filtre et je regarde rapidement à travers qu'est-ce que ça peut être comme genre de filtre. Aucune idée, tu vois rien de spécial autour de toi qui... Avec on verra... À part que tu vois c'est un peu plus foncé, quoi. Est-ce que tu en parles de ça, Chris? Ah oui, bien sûr, je vous le dis, je vous fais remarquer ça, quoi. Bon, après, bon, je sais pas à quoi ça sert. Ok, moi, je pense savoir, j'ai une idée, j'ai une théorie. Aussi. Bah, il doit y avoir un symbole secret sur le campus ou une connerie pour qu'il puisse ouvrir un passage, je sais pas, mais... C'est une porte démoniaque. Y a de ça, ouais. Y a de ça, ou l'apocalypse, vous vous rappelez. Y a de ça, ou sinon, elle a marqué quelque chose sur son mur qui n'est lisible qu'avec ce filtre. Ouais, genre dans sa chambre, par exemple. C'est ça. Par exemple. Bon, allez. Bah, on aurait peut-être trouvé le feutre. Vous faites quoi, maintenant? Bah, il va falloir rentrer tranquille, discrètement. Ouais.
Bah sinon, on peut retourner à sa chambre avec la carte magnétique. Pas hein. Tout de suite. Pas tout alors, on va attendre que ça descende parce que, vu qu'elle est morte, il y a une pléthore de flics, à mon avis, qui va traîner. Tout à fait. Donc, au plus on est loin, au mieux c'est, je pense. C'était une blague, mais si tu veux prendre sérieusement, prends voilà. Le chose. Demain matin, il va y avoir. On a nous le rendez-vous, et puis il va y avoir en plus le. Comment on appelle ça? L'enterrement. Ouais, il y a l'enterrement aussi. Mais le truc, c'est que là. De toute façon, là, il y a un couillon de merde qui veut nous foutre en tôle. Donc, résultat des courses. Est-ce qu'on a le numéro du petit stagiaire? Son numéro perso, non, et à ce temps-là, il doit dormir. Ouais, mais ça fait rien, on le voit au roll call demain, donc... Oui, enfin, mais non, mais demain matin, call, nous, on arrive... Cependant, moi, je vais quand même regarder le disque dur, parce que bon... C'est ça, c'est... Même, faut qu'on se concentre un petit peu de... Vous êtes pas dans la voiture de fonction, donc là, vous avez pas d'ordinateur pour le truc... Mais non, mais arrive à la maison, je ferai ça. Chris, ouais. on va chez toi. Encore ? Bah oui, t'es le seul à avoir un ordinateur personnel. $20 l'entrée. Sérieux? J'ai pas d'ordinateur personnel, moi? Non, c'est payant. Ah putain, il va falloir que je m'en achète un. Hein. Je pensais que j'en avais pris un, mais... Bon. Ah non, parce ça fait partie des trucs. Il y a que lui qui l'a acheté. Parce qu'il faut fouiller le disque dur, et donc du coup, on va chez toi. Non, mais on va le faire, t'inquiète pas. Enfin, après, moi, je l'aurais bien regardé pour moi tout seul, déjà. Parce qu'on sait jamais, avec une étudiante, ce qu'elle peut mettre dessus. Mais bon. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de cliché? Exactement, ouais. On sait jamais. S'il y a un virus dessus, hein, tu feras comment? Tu l'auras pas vu? Ah, tu le chopes pas. Ah ben, un virus du style selfie en petite tenue ou à poil. Bonjour les insomniaques, on enterre cet après-midi Maître Wax, une grande gueule du barreau. Petit séisme sur San Clement à 2h03 du matin. Seuls les sismographes l'ont ressenti. Aujourd'hui, nette amélioration du temps. Plus de pluie, mais un crachin légèrement pollué. On a retrouvé une femme de 54 ans égorgée à Riverside. Stabbing Granny, si tu nous entends, arrête les dégâts. Tout de suite, les résultats de la course de San Diego et bonne journée à ceux qui peuvent en profiter. Tiens, c'est bizarre, il parle pas déjà du meurtre sur le campus. C'est caché. Décidément, bah, ça va. Les médias sont plus ce qu'ils étaient. Ils l'ont jamais été, ça peut te rassurer. Bon, hein. vous arrivez devant chez Christopher, et priorité au direct. Et on commence à parler en fait du meurtre de potentiel de Melissa Seal et de l'implication potentielle de Cops dans cette affaire. Bah, quoi? Melissa Seal, c'est bien ça. Forcément, ils font lien avec l'affaire. Tout. Pour rentrer discrètement chez Chris aussi, c'est pour ça. La Seal, la finale. Que si le chef essaye de nous appeler pour savoir où on était, il va appeler chez nous. Si on n'est pas chez nous, ça va faire mal pour notre alibi. Hein. Bah, moi, on dort. Si vous êtes tous au même endroit. Oui, on dormait. Bah, on était en équipe. Hein. Je dirais qu'on boit un coup. Non, mais on faisait un poker entre amis. Parce qu'on a que ça qu'à foutre de toute façon, donc voilà. Mais ça va quand même être louche, hein, parce qu'on est quand même les 4 suspects, donc. Pardon, les 5 suspects. 5. Donc, et vous étiez tous, on était tous les 5 en train de faire un poker. Yep. Juste en face de l'université. Il était à côté de bon. Et quelqu'un peut témoigner? Bah non, on n'a même pas appelé un pizzaiolo pour livrer une pizza, voilà. Donc, c'est loupé. Maintenant, c'est moi qui fais la cuisine. Bon. Donc, lendemain matin. Ah non, les fichiers. Ah oui, vous prenez le disque dur, vous commencez à vouloir lire, on vous demande d'insérer la clé pour pouvoir lire, pour avoir accès aux fichiers. La clé mot de passe. Bah oui, ouais. C'est crypté. Craquage. Je sais pas, essaye haut de cour. Alors, la question c'est est-ce qu'un grand génie de l'informatique peut arriver à décoder ça? Ou est-ce que... aucune serrure est inviolable. Ouais. Attends, ça risque de prendre du temps. Oui. Et il faut avoir le génie en question, sous la main. Ouais, le petit génie, on l'a, mais ça risque de prendre du temps. Après, je pense que la clé, si on peut la trouver, mais maintenant, c'est qu'y aller, ça va être compliqué. Attends, de toute façon, on n'est pas limité sur le nombre de tests. En même temps, il y a un moment où on est sûr que la maison sera vide. Hein.
C'est ça. Essaye Médusa, ça peut passer. Y a pas de mot de passe, on te demande. Mais non, parce qu'en fait, je pense que. Alors, techniquement, je pense pas que ce disque dur lui appartienne. Ah, tu veux dire qu'elle l'a piqué à la haute cour et c'est pour ça qu'ils l'ont. Non, non, chez le Maccabée, chez le maître chez, de Max, chez son petit copain. Le père de son petit copain. Mais les autres l'ont vu, enfin, ou les autres l'ont appris, ils ont alors, je rappelle ce qu'elle vous a dit au téléphone. Hein, ouais. C'était un truc du genre. Elle avait peur et il sait qu'il est là-dessus. Rendez-vous au collège, j'ai plus le temps, ils vont arriver, je suis sûr qu'ils vont m'avoir, nanana, j'ai des preuves. Parce qu'ils veulent protéger l'apocalypse et j'ai des preuves. Bon, alors c'est ça, elle aura piqué leur disque dur à tous les infos. Alors, c'est des trucs sur l'apocalypse. Alors, franchement, je voudrais pas dire, mais elle avait raison sur plein de points. Hein. Ils vont m'avoir, oui. Elle avait raison. Ils vont me buter, elle avait raison. C'est l'apocalypse, donc, priori, c'est... elle avait raison, merde. J'ai pas le temps, pas elle avait raison. Moi, je trouve qu'elle a assez raison. Donc, si elle dit qu'il y a des preuves, c'est peut-être les preuves en question et je pense qu'elle devrait avoir raison aussi. Alors, donc du coup, ça veut dire que demain matin, on a le rendez-vous avec l'autre con. Si on est encore libre après ça, ça va être ouais, il faudrait qu'on aille qu'on aille surveiller à l'enterrement parce qu'on a quand même du matériel qu'il faudrait pas avoir réclamé pour rien et que ça peut nous donner une bonne idée. Et ensuite Et en même temps, faire peut-être une petite fouille dans la maison pour aller récupérer la fameuse clé qui nous permettra de décoder ce disque dur. Et alors, si on n'y arrive pas... Je pense que t'occultes un fait important, c'est que il devrait forcément y avoir des caméras de vidéosurveillance dans le musée. Ils vont s'arranger pour les effacer, pour éviter qu'on sache qui a fait le coup. Mais donc, ils vont certainement nous voir, nous, en train de nous barrer après avoir récupéré un sac derrière un pilier. Derrière oui, la mais statue c'est... De, mais sur le Hein, donc, ils vont faire rapidement l'association entre le sac et celle qui s'amuse à jouer au monde de Nemo maintenant. Et forcément, ils vont savoir qu'on a ce qu'elle avait. Et donc on devient vraiment très dangereux. Alors, je sais pas si je suis. Moi, je suis pas certain qu'il faille penser que. Alors, c'est effectivement plausible, mais. Mais si les caméras de surveillance, il y en avait, le mec qui a buté Mélissa, il a dû les désactiver à un moment ou à un autre quand même, parce que... Ou alors il les a pas désactivés, mais il va effacer les records d'après. Moi, personnellement, soit je me vois mal... Soit il les a désactivés, et c'est tant mieux pour nous, soit il va effacer les records, mais quand il va effacer, il va quand même regarder juste avant, je suppose. Ouais, mais si c'est dans le rush avec alors... les flics qui approchent, ils ont peut-être pas le temps. Alors l'idée c'est que moi quand je vais commettre si je commets un meurtre, je désactive les caméras. Je ne fais pas la supposition d'avoir accès aux bandes. Bah c'est tu ça, vois parce que t'as trop de risques qu'il y ait des gens ça me semble beaucoup plus simple de débrancher un câble pour juste avant cas, de faire ma manigance que... Alors, juste pour signaler qu'on a quand même des espèces de 5 dés de première qui n'hésitent pas à buter comme ça, hein. Ils n'ont pas hésité à foutre le feu à une espèce de dancing alors que c'était bourré de monde. Il bute une nana simplement pour l'exemple. À mon avis, ça va pas trop les gêner d'aller carrément buter du coup. Vite fait, passer au lendemain. Vite fait, j'ai une théorie de potentiellement trouver le criminel qu'on recherche, celui qui bute un peu tout le monde. C'est X. Bah. Non. Non. Il était sur les trois lieux. Potentiellement. Il pouvait lui être sur les trois lieux. Ah, le gardien. C'est grand gourou. Non. Ouais. Je parle du fils de l'avocat. Ouais. Le fils Wax, à savoir. Ouais. C'est une théorie. Hein. Nos notes. Notre ami Justin. Ouais, Justin. C'est une théorie parce qu'il était, peut-être qu'il a posé les bombes incendiaires. Je rappelle que notre ami Justin sort avec Mélissa. Ouais, avec Mélissa. Oui. Ça, voilà. C'est pas la première fois qu'un type va se buter nana avec laquelle il sort. Hein. Non, mais moi je pense que c'est un peu notre quotidien en tant que cops. Ouais, moi je dirais que cet argument sert plutôt le fait que non. Je pense que.
Je pense que elle s'est sortie du cul pour nous contacter parce que elle pensait que lui était menacé aussi. Possible aussi, ouais. Non, c'est la beau, force c'est de beau, l'amour. C'est noble. Mais ça servira à rien en fait. De l'amour. Ah ben, ouais, bref, non, mais c'est, il y a ton point de vue est pas mal aussi, Obi. Mais le mien est aussi plausible, mine de rien. Tout ça aussi pour dire que si on passe voir l'espèce de trou du cul, à savoir le bœuf carotte. Alors là, si je pouvais lui en coller une. Alors, j'ai même pas envie de retenir son nom tellement qu'il me casse les robignoles. Eh, dans l'idée, si on veut le mettre dans notre poche, on peut lui filer le disque dur, comme ça on lui montre qu'on est innocent dans l'affaire. Non, non, c'est une bonne idée. Ça. Lui, il est tatoué sur son front, je vais me faire du cops. Et à mon avis, quoi que tu lui files, ça va se retourner contre toi. Alors, il faut juste en fait, invalider son. Si t'as de la chance, il le détruira pas. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, Guillermo, tu es bien gentil quand tu. La tête de l'inspecteur. T'es bien gentil de dire que c'est marqué sur son front. J'aurais dit plutôt une grosse pancarte lumineuse marquée je veux buter du. Je veux détruire le cops. Ouais, voilà, c'est ça. C'est... Dans le dos en le pointant lui, tu vois. D'ailleurs, sur sa voiture, sur sa portière, il y a des silhouettes de cops en fait qui sont marquées. Mais bon. Justin Wax. Si jamais il nous fout en tôle, ou il nous arrête, il nous incarcère. Ce matin, ça invalide tout ce qu'on a fait, hein, parce qu'en tout, on ne pourra plus rien faire du tout. C'est ce qui va se passer, donc du coup, ouais, il faut confier à l'autre partie de l'équipe Alpha le disque dur. Il faut déjà que le petit stagiaire bosse dessus, il faut qu'on mette le chef au courant. C'est ça. Et il faut assurer nos arrières avant qu'on passe. Alors, je vais faire autrement, parce que vous êtes des flics. Damasque, c'est un flic. Techniquement, il veut se faire du cops, mais c'est pas un ripou. C'est-à-dire qu'il y a des procédures. Donc il va sûrement respecter les procédures. Réfléchissez, qu'est-ce qu'il va faire même s'il vous met aux arrêts. La première chose. Il va le mettre en sécurité, le document. Non. Il va nous retirer nos plaques. Il va nous retirer nos plaques d'abord, parce que là, on est toujours cops. L'étape suivante, normalement, c'est de nous retirer nos plaques et nous mettre en dehors du service. Il nous fait une mise à pied avant de nous... Voilà, et après, je pense que l'étape supplémentaire, c'est de nous mettre en prison. Ça va être chaud. En gros, on a une demi-journée devant nous, quoi. Là, vous avez une nuit pour décider quoi faire avant le lendemain matin. Ou alors, si, on peut l'appâter. A priori, tout ce qu'il veut, c'est nous faire tomber. Si l'un d'entre nous joue à la balance en disant écoutez, je coopère avec vous, vous dites au magistrat ou au juge que je suis conciliant et je vous balance des choses sur mes copains, mais donnez-moi juste 24 heures le temps que je réunisse toutes les preuves. Tu gagnes 24 heures. Et à mon avis, là, ouais, tu vas l'appâter à mort. Tu lui assures qu'il y a quelque chose. Tu lui assures qu'il y a quelque chose, mais en plus, tu lui fournis les preuves. Oui. Il y a quelque chose, mais c'est pas forcément que ça va nous faire plonger. Mais au moins tu gagnes 24 heures. C'est pas faux. À mon avis, c'est ce que tu peux négocier. Maintenant. Dans tous les cas, avant, il faut. Comme disait, c'est Obi qui disait ça, et Danny le dit. D'abord, on va peut-être, avant d'aller le voir, on va peut-être faire notre rapport à notre chef le matin, genre tôt. Oui. Dans tous les cas, de toute façon, on va faire notre rapport, on va donner tout ce qu'on a à notre chef, y compris le disque dur, pour qu'il charge le petit stagiaire de bosser dessus. Parce que on sait que le chef est avec nous, c'est certain. Ouais. Et donc, par contre, on va bien être obligé de dire au chef qu'on était sur place, on s'est fait piéger. Mais on a réussi à avoir. Danny est pas d'accord, faut pas lui dire qu'on était sur place pour l'instant. Non, on peut lui dire qu'on a eu ça, et qu'il faut que le stagiaire il travaille dessus, quoi. C'est pas faux. On n'est pas obligé de dire qu'on l'a récupéré là-dessus, mais qu'il y a des Danny, informations importantes. Danny dit que ouais, si on dit au chef qu'on était sur les lieux d'un crime qui nous implique encore plus, on va dire il va nous lâcher le chef. Hein. Il n'est pas content. Alors, il y a un truc, c'est que tout le matos qu'on a récupéré là, de sac à dos, etc., on va le mettre. Crame. Pas chez nous. Bah, mais il faut le garder parce qu'on a besoin du disque dur et tout ça.
mais on va le mettre en consigne dans un truc, je sais pas où. Je sais où le mettre. On se débrouille, quoi. Non. Et éventuellement, pas chez des proches non plus. Pas des proches connus, du moins. Je pense que ça serait Alors, justement, parlant de proches, risqué. Il faudrait que je me confie un peu, là, les gars, parce que j'ai un petit souci. Un petit. Un léger petit souci. Mm-hmm. Ah. Va dire coéquipière est au courant, mais comme de toute façon, ça peut jouer. Voilà. Comment je vous annonce ça? Comment je peux leur expliquer, Lynn? Toi qui connais bien. On le sait que t'es gay, c'est bon, c'est pas grave. Monsieur Guillermo, il était pas prévu qu'il était cops en fait à la base. À quelques petits problèmes avec un cartel latino, mexicain, qui est quand même pas mal actif dans Los Angeles. Aussi. Alors, pas le plus méchant et le plus sanguinaire, hein, celui qui est juste en dessous. Voilà. Et en gros, comme sa tête est passée à la télé alors qu'il est censé être dans le COPS par protection des témoins, ça devient un petit peu dangereux pour sa tête en fait. Et pour la mienne aussi, et pour surtout, les vôtres aussi. Et surtout pour ce qui reste de ma famille, parce qu'on va dire que. Je suis un peu à l'origine du fait que ma famille a été fortement réduite. Si vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Est-ce que je voudrais conserver ce qui m'en reste? Même si j'ai un frangin que je vois quasiment plus, je voudrais au moins que ma petite sœur, dès qu'elle sort de son état végétatif, elle puisse voir quelqu'un et qu'elle reconnaîtrait, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que... Alors si je vais en tôle, je suis mort. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Si je suis en tôle, en moins de 24 heures, vous me retrouvez égorgé et pendu dans une cellule. Suicidé, quoi. Mais... Voilà, c'est ça. Oui, suicidé complètement. À 36 coups de couteau. Mais, voilà, à 36 coups de couteau. On va dire que j'évite de rentrer chez moi parce que, grosso modo, chez moi, c'est grillé. Donc... Voilà. Et si jamais vous voyez des mecs l'air hispanique, patibulaire et qui commencent à vous décharger tout un flingue sur la gueule, sonne. Allô. C'est le chef. Oui, chef, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Où sont tes camarades? Bah, ils sont avec moi, là, on fait du poker, pourquoi? Ils soupirent. Vous avez regardé la télé? Non, pas encore. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu du nouveau dans l'affaire? Oui, Mélissa Sy les est morts. Je vous conseille d'avoir de bons avocats devant Damasque demain et d'avoir un alibi en béton. Ok, bah je vais vous voir à 6h dans mon bureau. Il raccroche. Je le fais bien, l'innocence en RP ou pas? Pas mal, là, je trouve que tu le fais pas mal. Alors par contre, est-ce que quelqu'un connaît un pizzaiolo qui pourrait soudoyer facilement? Et il faut la facture aussi. Ah, oui, mais justement. Il y a Danny qui fait, en même temps, si le pizzaiolo dit qu'il a été soudoyé, on est mort. On peut lui commander une vraie pizza. Hein. Alors, quelqu'un connaît un pizzaiolo de confiance qu'on peut soudoyer? Non, parce que un alibi en béton, il faudrait qu'au moment où il découvre le cadavre, on ait été vu ou certifié vu par quelqu'un, quoi. Eh ben, moi, personnellement, j'avais laissé mon téléphone portable ici. Ah, mais de base, vous l'avez pas pris avec vous, vos téléphones perso. Hein, bah oui. On l'avait dit la dernière fois. Donc déjà, ça fait un... Et après, moi je propose qu'on apprenne par cœur le programme télévisé. Ouais, alors putain, on se fait le replay d'office là. Non, on pouvait pas, on était pas en train de regarder la télé, sinon on aurait été au courant. On écoute le programme radio. Il y a forcément du podcast sur le programme radio. On se réécoute les 2 heures au moment où on a trouvé le truc pour savoir exactement ce qu'il disait sur l'émission. Bon, on passe au lendemain matin? Vous avez encore des trucs à débattre, à réfléchir? Non. Non, pas plus que ça. Hein. À peine que pour. De toute façon, on va déjà discuter avec le chef. Comme Obi proposait quand même, c'est le sac, les disques durs, les machins, vous les gardez sur vous et vous les déposerez au bureau ou vous avez un endroit où vous les mettre? Je dors avec. Mis à part le disque dur qu'on va garder, tout le reste on va foutre dans un sac et on va foutre ça dans une consigne de gare, vite fait, bien fait. Tiens, j'y pensais à ça, ouais. Alors moi je pensais mettre le disque dur aussi en fait. Non, parce qu'il faut qu'on le confie au chef. Le disque dur, c'est moi qui le garde si ça dérange personne. Le disque dur, il faut qu'on le confie au chef et le chef va demander aux stagiaires de travailler dessus. Ouais, mais je pense que ça prendra trop de temps en fait.
Je pense que le stagiaire, c'est le plus à même à faire des trucs dessus. Mais l'intérêt, c'est que si jamais il nous arrive une crasse et qu'on se retrouve en tôle, même si j'ai que 24 heures à vivre, eux, ils continueront à bosser dessus. Sinon, le truc, c'est que... Si on se retrouve en tôle et que le disque dur tombe dans les mains de Damasque, on est mort. Moi, dans tous les sens du terme, vous êtes mort. Guillermo, avant que tu sois en tôle, de toute façon, il y aura, avant d'être transféré en vraie prison, on sera emprisonné au COPS. Ouais, donc, mais t'as raison, toi. Tu crois vraiment qu'ils vont te mettre dans la cellule du COPS ? Enfin, pas le COPS, mais la cellule que Damasque aura décidé, mais dans le bâtiment où il y a le COPS, donc voilà, le bâtiment de police. Le truc, c'est que si on le file au chef et que le chef fait bosser le stagiaire dessus, quoi qu'il se passe, il continuera à bosser dessus. Dans les autres cas, si jamais on se fait avoir et que le disque dur se retrouve en pièce à conviction quelque part, c'est mort, quoi. On n'a plus rien. Parce qu'a priori, les preuves, c'est là-dedans qu'elles sont. Ouais, mais... Bon. Histoire. Donc vous le prenez avec vous et vous partez au COPS avec le disque dur, si j'ai pas compris. Ouais, tout le reste, on le met dans un sac, dans une consigne de garde. Ah non, moi je suis pas d'accord. Hein. Pour le disque dur, je suis pas d'accord. Hein. Je pense que c'est une erreur, c'est que si on le donne au COPS, ça prend trop de temps, on aura plus la main dessus. Moi, mon idée, c'est on le garde, on se débrouille pour trouver le dongle et on le déverrouille en 2-2, quoi. Ouais, mais putain, mais c'est ce que disait Danny tout à l'heure, c'est qu'à un moment il y aura plus personne dans la baraque. Je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit, mais le truc c'est que faudra y aller. Ça veut dire qu'il y aura une partie de l'équipe qui va surveiller le cimetière avec le micro-canon et l'autre qui va infiltrer la baraque. Bah, tout à fait. C'est possible. Hein. Je pense qu'il faut le faire. Dans ce cas-là, on peut couper la poire en deux. On peut conserver le disque pour demander au petit génie de dupliquer le disque. Lui il travaille sur sa version. Il y a la nuit, hein. Il y a quelques heures. Et lui il travaille sur sa version et nous on le replanque dans un coin et si on a le dongle, on peut le libérer. À savoir une chose, quand vous voulez consulter le disque, il vous demande l'accès à internet et la clé. Donc il y a forcément une clé, il y a forcément un dongle qui doit traîner, etc. Mais je te dis, si on demande au petit génie de dupliquer le disque, on se préserve aussi quelque part. Et ça, a priori, si c'est copier des données d'un disque à un autre, c'est relativement facile. Qu'est-ce qu'il en pense qu'est-ce qu'elle en pense, Lynn ? Ah, j'ai pas entendu, tu disais ? Je disais, si on demande au petit génie de dupliquer le disque, les données, de les mettre sur un autre disque qui réagirait de la même manière, mais au moins on aurait deux trucs. On planque le nôtre. On remet le nôtre dans la consigne, hein, etc. Et lui travaille dessus, on sait jamais, il pourra peut-être trouver quelque chose. Pourquoi pas ? Comme ça, au moins, on assure nos arrières, quoi. C'est... Au pire, si on peut pas physiquement aller chercher le dongle, mais on sait où il est, on peut passer l'info au chef en disant que le petit génie a le disque, et donc à partir de là, il peut réussir à faire quelque chose. On se coupe pas complètement de ça. On sait que les preuves, a priori, c'est là. Et une fois qu'on a ça, on peut... On tiendra la haute cour par les couilles, si je puis me permettre. Par les coronas. Ouais. Ah, tu vas trop loin, là. Mais, et a priori, ça, Alors, est-ce que, par contre, on prévient le chef qu'il y a un disque et que le petit John en a une copie, ou est-ce qu'on préviendra après Moi, je serais plus pour prévenir après, tu vois, en cas de pépin. On dit juste qu'au chef qu'on a quelque chose. Les cops, je veux dire, on va pas vous exécuter, hein, donc vous pourrez toujours parler après. Hein, si non, mais non, si, on va m'exécuter. Oui, non, je mets le pied dans une prison et on m'exécute. Avant d'aller en prison, t'inquiète pas. Bon, lendemain matin. Donc avec le disque sur vous pour le filer aux jeunes. Ouais, pour qu'il duplique. C'est moi qui le garde, si vous permettez. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, vas-y. Et ensuite, on est. T'es pas électromagnétosensible, hein, tu vas pas l'effacer. Oui, je sais, mais c'est. Il le savait pas. C'est bon, j'ai caché entre deux gros aimants. Il faut en faire à le trouver là. Non, mais bon. C'est que. Ouais. Bon, mais après, juste une question. Après, le disque dur, on va le planquer quelque part. Quoi. Bah, après, l'original, on va le foutre dans la consigne avec le reste, quoi. Mais... Bon.
Bon, 6h du mat. J'ai des frissons. On arrive un peu avant. Bon, le chef est là. Ok. Vous avez rendez-vous dans 30 minutes avec Damask. Si vous avez vu que vous m'avez pas justifié un emploi du temps, vous avez eu un alibi. Alors, rapidement. Dites-moi. Alors, rapidement. Réfait. On est sur rapide, un truc. Plus de mots. Non, rapidement, on est sur un truc. Je pense qu'on a de quoi pouvoir tenir tout ce qui est à l'origine de l'incendie, des meurtres, etc. Il nous faut juste une clé pour déverrouiller les données. Et c'est bon, on a ça. Il nous faut juste du temps. Donc, on va essayer d'en gagner un maximum. Et dès qu'on a l'information... Vous avez 20 de temps. Combien de temps? 24 ou 48, les gens? 48. 48 si possible, ouais. 48 heures si possible. Il va nous dire qu'il faut en 24. Ouais, je vais essayer de faire traîner un maximum les procédures avec Damask. Je sais, si vous n'avez pas fait trop de conneries ces derniers jours, je vais pouvoir essayer de gagner du temps. Mais à voir. Alors, la clé qui nous permettrait d'accéder aux données dont on a besoin est probablement sur le bureau de Wax. C'est ce qu'on avait lu dans le rapport. Tu lui dis? Ah bah oui. Enfin, je lui dis. C'est à Damask que je parle ou c'est au chef? C'est au chef. Non, le chef, il veut pas les détails depuis le début. Hein. Non, justement, non, il faut pas le dire. Non, faut pas le dire. Bah si, parce que peut-être que lui, il peut nous faire, il peut la récupérer dans une perquisition quelconque. Ouais, mais là, je pense pas qu'il va le faire parce que ça va l'impliquer. Non, ça, c'est à nous à le faire en fait. Il va falloir qu'on se mouille, il va falloir qu'on aille chez Wax, il va falloir qu'on récupère le truc. Bon, mais ça, c'est le lui. Chef, il dit d'accord. Si tu veux te mouiller, il y a l'Atlantique. Il y a le chef, tu dis ça, Pacifique. Il dit je vais faire comme si j'avais rien entendu. Non, mais je l'ai pas dit. Sachez juste qu'on est vraiment à deux doigts de pouvoir faire tomber le truc et éclater toute la vérité. Donc, mm-hmm. Dans tous les cas, vous avez. J'essaie de voir si je peux gagner du temps, mais je vous promets rien. De toute façon, Damask est sur votre cul, et je pense que dans les heures qui va venir, ça va chauffer partout. Ouais, c'est bon, j'ai de la biafine. Chef, il nous faut le stagiaire, par contre, aussi. Ah oui, par contre, vous oui. Vous merdez avec lui. D'accord. Moi, mais... je ne te donnais aucun droit, aucun ordre. Allez, barrez-vous de mon bureau. Merci, chef. Bon, ah oui, j'oubliais. Si il s'avère que vous êtes impliqué, que ce soit dans le meurtre de Melissa Seals ou de remettre Wax, je me ferai un plaisir personnellement de vous envoyer à Upper Point. Ah, c'est cool. Là, c'est pas dans les 24 heures, je crève, c'est dans les 12. Non, c'est dans l'heure, en fait, où t'arrives. Alors, Upper Point, c'est la prison qui est sur une île. Ouais, c'est le Ting Ting du coin, quoi. Ah. Sympa. C'est la grosse prison du... de Los Angeles qui est sur une île. Voilà. Vous inquiétez pas, Réfé, tout ce qu'on se borne à faire, nous, c'est bousculer des gens sur les autoroutes, c'est tout. On va faire comme s'il a rien dit, hein. Bon. Dans tous les cas, vous avez Brendan Regan qui attend Danny. Pour Brendan Regan, avocat du SOS. On est sauvés. Non, t'es pas adhérent, toi. Hein. Ouais, merde. C'est bon, Danny est sauvé. Danny est sauvé. Par contre, nous, on va se mettre en chasse du stagiaire. Ouais, stagiaire est là. Danny, il est pas avec vous, il doit pas à son avocat. Non, mais là, on cherche le stagiaire. Oui, mais Danny, le problème, c'est qu'il y a son avocat et qu'il va parler avec son avocat. Oui, bon, bah vas-y, allez, disparaît. Tout de suite, ça a des avantages et tout. Non, mais je te jure. N'empêche qu'à la cantine du COPS, je suis à égalité de mayonnaise avec Danny, hein, quand même. Pas déconner, ouais. Non. On trouve le stagiaire? Non, il a disparu à tout jamais. Non, ça va de nuit, ça. Il a la photocopieuse. Il arrivera à 8h. Putain. Je peux pas me promener avec ça sans moi. Bah, tu fais... Alors, Tu peux de la jouer comme la lettre cachée, hein. Tu fous le disque dur bien en évidence sur son bureau avec un petit mot
Machin, est-ce que tu peux nous dupliquer ça? Est-ce qu'il y a des cops qui sont arrivés? Alors ouais, il y en a quelques-uns qui sont là. Est-ce qu'il y a Padré? Non, Padré il est pas là. Il y a Bon Tuyau. Ouais, voilà. Il y a Jen qui est là. Il y a Omerta et il y a Shark. Je vais voir Bon Tuyau. Il est à la machine à café. Il est en train de savourer le café là. Ça marche mieux quand c'est réparé. Bah ouais, je te comprends. Est-ce que je peux te confier un truc pour le stagiaire? Ouais. Ouais. Ceci, s'il peut nous en faire une copie. D'accord. Voilà. Il te regarde, c'est important ce disque? Faudrait ouais. Que la copie soit assez rapide en fait. Une copie et peut-être essayer de déchiffrer ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Je lui passerai. Merci. Gracias. Et qu'est-ce qu'il veut un café longo ou un café corto? Regarde, je comprends pas ce que tu racontes. En dessous, qui veut un expresso et un café normal. Un expresso. Copie gratuit, distribution de café pour tout le monde. Yeah. Merci Guillermo. Pas gratuit. Bon, c'est pas gratuit. La machine à café n'est pas gratuite. Ah bon? Non mais ça va, à 20 cents le café, je peux me permettre de faire une distribution gratos. À mon avis, pour Bon Tuyau, elle est gratuite. Mais ouais, ça doit être ça. Non, il paye comme tout le monde. Tout le monde sait que ce qu'on met dans la machine à café va après dans les œuvres du COPS. Non. Ah si, les œuvres du COPS, c'est le café. Bon, et maintenant, il reste plus qu'à attendre la comparution avec Damasque. Et là, par contre, ça va chauffer. Et là bon, on peut justifier, on était ensemble, on faisait un poker, et de toute façon, ils peuvent regarder sur nos téléphone. Géolocalisations des téléphones portables, ça n'a pas bougé de chez Christopher. Bon, Damasque. Et en plus, on a écouté les émissions radio, on sait exactement ce qui est passé, parce qu'on écoutait la radio, on regardait même pas la télé. Donc avant, il y a Danny qui vient. Alors c'est simple... Il vous dit, a priori, on est dans la merde et mon avocat m'a dit de pas... Ok, donc grosso modo, on répète, on était ensemble, on faisait un poker, etc. Et s'il nous demande d'autres questions, on était ensemble, on faisait un poker, etc. Ouais. Alors, réponse de Dany, mon avocat nous dit qu'on a aussi le droit de garder le silence. Donc on peut rien répondre, c'est encore mieux, c'est plus facile en fait. Maintenant, on peut toujours dire la même chose, à savoir qu'on était là, et puis après, pas et s'en tenir à ça. Ouais, on dit, on était là, on faisait un poker, on peut dire ce qui passait à la radio parce qu'on l'a écouté. Je pense qu'on va le répéter 25 fois. Hein. Ouais, on ça, je était pense là, qu'on on faisait un poker. On était chez Christopher, on faisait un poker. Voilà. On va la radio marchait en tâche de fond, voilà ce qu'on a écouté, voilà moi ce que j'ai pillé retrouvé. D'ailleurs, Lynn, voilà. Tu me dois $50. Dans tes rêves. Tu Damasque. Pousses le truc un peu trop loin. C'était pas un street poker. Déjà, ouais, mais... Par contre, comme d'habitude, c'est Christopher qui a gagné et c'est moi qui ai tout perdu. Voilà quoi. Eh hey, oh, Damasque. Ouais, Damasque. Ouais, Damasque, c'est parti. Alors. Je dis pas une connerie. Voilà. Donc, il vous regarde. Vous arrivez au son bureau. Il a un grand sourire. Alors, il est content. Putain, il est en train de jouir sur place. Cabron. Et en plus, il en fout partout. C'est dégueulasse. Ouais. T'attaches le pantalon. Messieurs. Et madame. Que faisiez-vous hier inspecteur. Soir entre minuit et 1h du mat? Tous en cœur. Eh bien, nous étions. Nous étions chez Christopher. En train de jouer au poker. À écouter de la radio. Et oui, bon, voilà. Ah, tous ensemble au même endroit sans autre alibi. Bah, pourquoi aurait-on besoin d'un autre alibi? Enfin, d'un alibi tout court d'ailleurs. Bah, c'est-à-dire que quand on n'est pas tous ensemble, on est poursuivi par des hordes de journalistes. Dans tous les cas, messieurs, je vais vous. C'est simple. Arme, uniforme, plaque. L'enquête a bien avancé. Et donc, vous êtes, pour le moment, mis à pied. Donc, je veux sur mon bureau votre arme, vos uniformes et votre plaque. Vous avez le droit d'aller vous changer quand même dans vos vestiaires.
Ah, c'est gentil, mais c'est sûr, j'ai cru qu'on allait être en calfeum. Oh, bah on bon, va bah, on fait tous la gueule, et hein. Je... Et il a... vous voyez qu'il a une série de documents devant lui. Et, puisque vous êtes là, il tourne plusieurs des documents. C'est des perquisitions. Perquisitions de chacun de vos domiciles. Vous me faites un jet de perception pour tout le monde. Perception pure. Ouais, perception pure. Merde. Alors, perception pure. Ah, quand même. Bah ouais, quand même. Ah bah ouais. Ouais, bizarrement, là, je suis je suis assez perceptif. Comment s'appelle le cocoon, t'as joué? Oui, oui, j'ai fait 3 aussi. Il a fait 3 aussi. Ça manque vraiment l'heure data sur le chat. Hein? Ouais, le chat, l'heure des messages. Ah. C'est une suggestion, parce que je trouve que j'aime. Moi, ça, une fois sur deux, comme je sais plus quand, où on en est. Ok. Donc, c'est simple, vous voyez en fait que. Il a plusieurs feuilles de perquisition devant lui. Pour ceux qui ont fait trois, vous avez arrivé à lire quelques noms sur c'est que des perquisitions. Et bah, c'est simple, qu'est-ce que vous voyez comme nom? Alors, hop, que je repasse ça devant vous, devant moi. Thomas O'Doll. Arnold Holman, Peter Solo, Douglas Collins, Todd Hawkins, respectivement votre chef, sniper, bon tuyau, padré, comment s'appelle, Pitbull. Vous voyez aussi toute votre famille qui passe, tous vos proches en fait, quasiment, tous ceux que vous avez une relation, avec qui vous avez une relation de deux supérieurs. Font partie des perquisitions. Alors, question... Mais il est sérieux, cet abruti ? Question, est-ce que je vois le nom de mon frangin et de ma sœur ? Ça fait combien ? 3 ? J'ai fait... Tu vois ouais. Le nom de ton frangin. Pas de suite ta sœur. Je veux dire, la perquisition à l'hosto... Oh putain. Là, il va falloir que ma coéquipière ou quelqu'un me regarde parce que j'ai une furieuse. Je serre le poing, ça sent les os qui craquent et je lui éclater son nez à ce mec. Non, mais tu vas te calmer, moi. Calme, Guillermo, calme. Je retiens son bras aussi. Messieurs, vous pouvez disposer, je vous veux dans 10 minutes, vous me déposez vos armes, votre uniforme. Bon, on va le faire, hein. Et votre plaque sur mon bureau. Est-ce qu'on peut lui jeter d'un regard dédaigneux? Tu peux lui jeter le regard que tu veux. Tu veux, oui, il s'en fout complètement. Lui, non, mais il est content. Là, il est content. Oh, il est bien. Ah, il est bien. Ah, oui. Oh, il est bien. Oh, je bouge plus. Ah, je bouge plus. Ah, je suis là. Bref. Non, mais c'est hijo de puta. Ah, bah quand tout ça va finir. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que je vais lui mettre à lui? Oh! Ouais, mais tu comprends plus. Il condamne mon frangin, ce petit con. Parce que forcément, s'il y a perquisition avec la couverture médiatique, et ils vont aussi le montrer. Et lui, par contre, il va pas vu pouvoir. Vu le nombre de perquisitions avant qu'ils arrivent à montrer toutes les perquisitions. Ouais, donc il faut vraiment aller agir au plus vite. Donc c'est clair. Bah, préviens ton frère par téléphone. Il l'a pas. Non. Alors comment te dire les relations avec mon petit frère sont assez tendues, tu vois. Du genre, il a pas trop tort, il est persuadé que c'est moi qui suis à l'origine du fait que toute la famille a quasiment été massacrée. Après une perquisition, il va pas du tout en vouloir. C'est à peu près ça. Donc, je vais peut-être pas lui téléphoner. Il fera peut-être un peu de prison, ça va le calmer, le remettre sur le droit chemin. Ouais, pas sûr. À mon avis, il va monter son propre gang pour aller me décider. Il va se radicaliser, puis il va aller en Syrie. Non, mais ça, voilà toutes les paroles que je voulais entendre. Non, il faut agir vite. Donc, sincèrement, c'est on va, limite, on va, on va lui rendre notre uniforme, nos plaques, nos flingues. Ok, d'accord, pas de souci. Par contre, je peux te dire que vous ça. On va trouver du COPS, c'est simple, il y a plein d'inspecteurs qui ne sont pas de l'équipe Alpha qui sont en train de faire tous les bureaux. Ah, mais vous nous aimez chez les COPS. Ah, les COPS qui sont là, autant dire qu'ils tirent la gueule et il y a une espèce de tension palpable. Le chef, il en a plein le cul et quand vous arrivez, il vous jette un regard noir et il prend directement l'ascenseur. A priori, vous voyez qu'il appuie sur l'étage du SAD. Désolé. Okay.
Damasque, bon. je lui proposerai un combat à la loyale sur un tatami plus tard. Fais gaffe, il y a des agents du SAD un peu partout autour de toi. Fais gaffe, non. Alors, pour l'instant, on va la jouer pour notre en bas. Par contre, quand il n'y a plus personne, quand on est dans nos vestiaires pour aller prendre nos champs, nous changer, etc. Dans tes vestiaires, tu veux dire le vestiaire qui est ouvert où t'as un agent du SAD qui est en train de regarder dedans. D'accord, ok. On peut changer tranquillement. Ou vous aimez l'exhibition? Ah, il te montre le mandat. Vous permettez de... Et donc le mandat vous autorise aussi l'exhibition Ah mais vous pouvez vous changer à côté, vous inquiétez pas, je ne fais que réunir des preuves. Ouais. T'as envie de te faire une belle paire de fesses, c'est ça? Ça vous dérange si je prends un chewing-gum dans mon casier? Mais regarde... Il le met sous un petit analyser fil le plastique, d'abord. Il dit, ça peut servir de preuve, avec un grand sourire. Faut d'abord que tu sois mâché quand même. Guillermo, je te lance un regard. Cabron, vous inquiétez pas, tout sera consigné et stocké au truc d'épreuve. Et s'il n'y a rien contre vous, vous récupérez tout. Je vais aller pisser aussi parce que j'ai une petite envie, il vous faut une petite fiole ou ça va aller aussi? Elle te regarde. Oh, mais si vous voulez tout de suite nous fournir un échantillon d'urine, hein. Ah, désolé, j'ai pas ma fiole sur moi, je suis désolé. Hein. Par contre, si t'ouvres bien la bouche, ça peut s'arranger. Non, mais ça, je le pense, mais je le dis pas. Bon, dans tous les cas, vous changez, vous mettez en civil et vous redescendez à l'étage. Moi, oui. Ouais. On est que nous dans l'ascenseur avec Guillermo et Chris? Oui. Ouais. J'imagine bien le plan où nous on est dans l'ascenseur, on passe du COPS, on descend pour aller au SAD, et en même temps où nous on part, t'as 30 inspecteurs du SAD qui rentrent dans le COPS et qui font perquisition, quoi. C'est à peu près ça. Non, mais moi c'est dans l'ascenseur, c'est pas de l'urine que j'aurais mis dans mon petit flacon pour celui-là. Ouais, je sais, mais j'ai pas de nitroglycérine. T'as excité à ce point-là ? Désolé. Non, c'était sale, ça, monsieur. C'est pas validé. Je parlais de foutre des selles. Ah. Ah, j'avais pas compris ça comme ça. Voilà, moi, tu veux un échantillon, pas de problème. Tiens, voilà le meilleur échantillon que tu peux avoir. Ouais, c'est bon. À mon avis, il aime les équidés, donc je sais pas. Ça... Par contre, je vous dis texto dans l'ascenseur, on va rendre le truc, etc. Mais il va falloir accélérer vite fait, bien fait. Et là, maintenant, ça y est, on est passé en vraie distance. J'ai pas suivi le disque dur, il est où là? On est plus borderline. On va franchir le borderline. Tu l'as pas cherché en même temps. Le disque dur, c'est bon tuyau qui les a. Ouais, c'est bon tuyau qui l'avait. Bon, il y a des chances qu'il soit suffisamment malin pour pas se le faire piquer. En espérant. L'ascenseur s'ouvre. Vous n'êtes pas encore arrivé à l'étage du SAD, il y a bon tuyau qui rentre. Oh là là! Oh bah tiens, comme par hasard! Tenez, vous avez perdu ça! Il vous file le disque dur. Bon tuyau, je t'offre un mois de café! Ouah, quel grand seigneur tu fais! Oh bah sur ce coup là, c'est obligatoire! Allez, macchiato latte pendant un mois gratos, à l'œil! Ou... Et ah oui, et tenez, il y a ça aussi que vous avez perdu. 50 millions d'euros ? Non, c'est le numéro, c'est un numéro de téléphone. Avec le nom de le nom et le prénom de comment s'appelle, du stagiaire. Putain. C'est gentil, je le cherchais justement. Qu'est-ce que tu veux ? Lynn, tu... Ah, je descends là, moi. Salut ! Ciao ! Salut ! Je t'en voudrais ça. Donc Christopher, tu gardes le disque dans ta poche, hein ? C'est moi. Yo. Ouais, et là, l'étage du SAD s'ouvre. Joum. Bah là, on va tous faire la gueule, on va rendre notre uniforme. Alors, ouais, alors, est-ce que dans les procédures, ils vont nous fouiller ou pas? Parce que... Bon, ça m'étonnerait, on rend juste l'uniforme, hein, ça serait étonnant. Ouais. Le truc, je veux dire, vous avez peut-être une arme perso, ils vont pas vous la prendre, hein. Donc il n'y a pas de raison de vous fouiller, sauf si vous êtes mis en état d'arrestation, par contre, ouais, ils vous fouillent. Oui, la logique. On est en état d'arrestation pour l'instant, on a juste déposé les plaques et tout, parce qu'ils respectent la procédure. Mais donc là, on va... déposer les plaques, armes et uniforme. Moi, je fais pour que ça claque bien sur la table.
Ça le gêne pas plus que ça. Hein. Oui, le goût se veut pas. Il écoute. Oh, il en veut plus là. C'est, le mec a fait ça, il vient de se payer 5 cops d'un coup. Ou putain. Quand tu claques ton arme, quand tu claques ton arme, Denis, est-ce que le coup part? Ah, c'est dommage. C'est dommage. Mais je suis quand même professionnel. J'ai alors, je pense qu'il faut mieux pas. Hein. Je pense que c'est un peu trop. Non, mais là. Alors, c'est... alors moi, techniquement. Je pose mon arme du service, mais j'ai clairement ma deuxième arme visible. Hein. Par contre, je dis juste en déposant. Oui, 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 c'est bien. En déposant uniforme plaqué arme de service, je lui dis juste de bien en prendre soin parce qu'on va la récupérer rapidement, avec un grand sourire. Et il répond, oui, elles serviront bientôt. À d'autres personnes. T'as pas idée, cabron. Allez, hop. En tout cas, ceux à qui serviront auront réussi le concours de cops. Tu veux pas vraiment dit ça. Je pense que si. Oui. C'est pas grave, c'est pas lui qui a pas perdu son insigne. Hein. Bon, allez, non, c'est non, oui. Ah, et faites attention, votre pantalon a une tache. Bon, mais on va vous faire virer, les gars. Non, mais on est déjà virés. De toute façon, là, vous êtes mis à pied, déjà, donc... on peut pas faire pire. C'est assez alors, on peut pas faire pire. En prison, c'est vrai. Enfin, moi, si, c'est la prison, l'étape suivante, hein. D'accord. Si, on peut faire pire, c'est la prison, là. Bon, bah, voilà. Maintenant. Donc, maintenant, il va falloir qu'on sorte. Alors, je vous propose d'aller au Starbucks du coin, de prendre un café et de discuter rapidement, parce qu'il va falloir accélérer les choses. Un café qui me faut, c'est un punching ball. La question, toi, avis, c'est... Ton téléphone sonne. Qui? Ta coloc a dit... comment ça se fait qu'il y a plein de flics ici? Ils ont dit qu'ils ont un truc de perquisition. Ouais, bah, laisse-les faire. Laisse-les faire. Je suis désolé, mais... J'ai caché un peu de quoi fumer dans ma chambre, quoi. Ça craint pas? C'est pas ça, Aval. Un petit peu. Aval, ouais, si tu peux les cacher, ouais, ça serait cool, ouais. Moi, je passe un appel, je passe trois appels. Ouais. Je préviens en premier Shan. Ouais, qui dit qu'il y a les flics ici. Désolé. Ils veulent pas que j'ouvre et ils ont dit qu'ils vont venir faire plus tard une perquisition, mais ils veulent pas que je parte. Mais, est-ce qu'ils sont quatre dans sa famille? Oh putain. Non, c'est mauvais. Quoi? Fortune. Non, c'est pour un Fortune. Ah oui. C'est rien. D'accord. Donc, j'appelle ensuite Murdoch. Il met des pieds où il veut. Hein? Même chose? Lui, non, mais il te dit ouais, bah... Désolé. Et Beverly. Désolé. Je m'excuse quoi, et compagnie quoi. Ça a dit que j'ai un doute, mais. Beverly Markeles, c'est. Non, non, mais je sais qui c'est, mais je vérifiais le niveau de. Non, non. Bah, tu sais. Ils ont pas intérêt, journaliste. Ah ouais. Oh, si tu peux faire un beau papier dessus, hein, ça serait marrant. Mais je te paierai un resto. Bref. Bon, dans tous les cas, faites quoi? Bon, bah alors. Bah, l'enterrement là. C'est simple. Clairement. J'ai besoin d'un punching ball. Non. Alors, attendez, avant de continuer, bon. Radio Flash, toujours présente. Les studios de jeux vidéo sont en crise. Un analyse technologique ludique l'explique par l'incompétence notoire des preneurs de décision. Incendie au cinéma maniaque. Pas de victimes, le cinéma est en vide. Super. Ouais. C'était vraiment très intéressant. Les gens, il va falloir maintenant jouer au voleur après jouer au policier. Alors, il y en a qui vont aller au cimetière. Ouais, et il y en a d'autres qui vont aller chez Maître Wax. Ouais. Et ça tombe bien, parce qu'à mon avis, la famille de Maître Wax et plein de gens qui sont de chez Maître Wax vont certainement être au cimetière. Ce qui va nous faire une occasion en or pour aller chez Maître Wax.
Avant ça, il faut qu'on... J'appelle le stagiaire. Devant vous. Ouais. Ouais, désolé petit gars, c'est... Denis. C'est Denis. J'ai mal à la tête. Toi t'as fait la fiesta, mais va falloir que je passe te voir assez rapidement. T'as des ordinateurs chez toi? J'ai voulu faire un concours de boissons avec Pitbull, j'ai perdu. Ça m'étonne pas. Bon, je t'apporte de quoi te décrasser les cerveaux. De la coke, putain. Non, un cocktail de boulet mort. Non, de la coke et des putains. cocktail à base de tequila, de tabasco, de piment. Ouais, bref. Bref. Et je t'apporte aussi un... Ouais, un c'est bureau, le vide ordure d'un frigo mexicain, quoi. T'es en train de parler. Vas-y. Et je t'apporte aussi de quoi... un petit boulot à faire pour l'équipe. T'inquiète pas, j'ai un petit cocktail maison qui va te requinquer le cerveau. Tu vas... Non, pas de boisson. Un TGV. Non, c'est à base de, t'inquiète. À base de quoi? Bah, c'est, tu viens de le dire. De poule. Faut pas le manger. Faut pas savoir. Faut mieux pas savoir. Faut fermer les yeux, se boucher le nez, avaler d'un coup. Après, t'es réveillé. Tu lui demandes de dupliquer le truc? Ouais, j'y vais. Je lui demande son adresse, évidemment. Ouais, bah, il file son adresse. Organisez-vous. 10 minutes plus tard, il te file le truc, dupliqué. D'accord. En disant que tu lui dois un disque dur. Ok. Un disque dur. Ouais. Et puis je lui fais un cocktail genre citron, deux œufs crus. Tu fais ton cocktail et il dit que ça a l'air dégueulasse et qu'il a pas envie de le boire. Et jus d'orange et puis en musique de fond, t'as la musique de Rocky, c'est cool. Ça, c'est genre deux œufs, du citron, jus d'orange et jus d'ananas. Ouais, mais il te dit, hein, ça a l'air dégueu ton machin, j'ai pas envie de le boire quoi. Non, mais il a raison, je pense. Hein, mais bois, tu vas voir, ça va te. Non, mais il te regarde, du coup, j'ai pas envie d'être malade. Hein. Sur la copie, et on là, va lui en laisser et là, une. Attends. Et là, je croise les bras et je lui fais bois. Malheureusement, ton charisme ne l'atteint pas. Hein. Bon, alors, la copie du disque dur, est-ce qu'il peut l'analyser, essayer de déchiffrer? Ça peut être bien aussi. Bah, il te dit, je vais essayer. Il a regardé vite fait comme ça, il dit, mais normalement il faudrait ouais, une clé physique de décryptage, quoi, un ouais. Ou quelque chose. Donc la copie, oui, tu la prends. Plus rapide. Mais, la ouais, copie. Je peux essayer, mais bon. Bah, essaye tant qu'on peut, enfin tant que tu peux, et après non, on va essayer de. Stop. Il va avoir de la perquis chez lui. Bah non. Non, je pense pas, c'est un stagiaire, c'est pas un cops. Il va passer au travers des gouttes, justement. Ouais. Il est totalement insignifiant aux yeux de Damasque. Donc bah, je pense rien, aussi justement. Que le disque dur en soi est pas forcément accusatif parce que on peut pas savoir que ça vient de l'école, non? Voilà, et en plus c'est crypté, donc il peut faire. Voilà, il peut très bien continuer à travailler dessus au COPS, hein, et je pense que ça ils vont pas l'emmerder avec ça. Ouais, mais ça veut dire qu'il nous faut l'original pour aller chez Wax. L'original, non. L'original, on va le foutre à la consigne, et chez Wax, on va juste récupérer le dongle. Le dundle, ouais, le doodle, le dundle, le gongle, bref. C'est comme un ongle, mais avec un... La clé USB, quoi, qui contient le bordel. Okay. La clé de déchiffrage, ouais. Ok, on va faire ça. Donc, avant de partir, avant d'aller le voir, je vous dis, moi, je veux être dans l'équipe pour chez Wax. Voilà. Après, alors, moi, vu comment dire, mon talent de discrétion, je pense que je vais plutôt me concentrer sur le cimetière. Bah, moi, j'irai bien chez Wax aussi parce que je suis assez motivé. Discret, hein. Ouais, je pense que dans le, on peut rester discret dans la voiture, quoi. Donc, on va prendre une voiture qui a les vitres blindées et puis ça ira. Non, bah, fumé, pas blindé. Ouais, blindé, fumé, peut-être ouais. Fumé, ouais, plus que blindé. Ah, ouais, les deux, hein. Je vais faire un rodéo, leur tirer dessus. Mais sinon... Si elles sont blindées mais transparentes, ça aide pas beaucoup à la discrétion. Et dans ce cas-là, tu peux demander à ton père. Hein. Par contre, on va dire que... C'est pas con, hein. Mon passé de délinquant juvénile va pouvoir m'aider à m'introduire chez Maître Wax.
Ouais, c'est pour ça que je suis avec toi pour te surveiller. Avec un gros clin d'œil dans le genre, c'est une boutade. Toujours ces clichés sur les hispanos qui volent, hein, sérieux quoi. Alors ils ont pas d'ailes. Tout à fait. Dani, ouais. Tu sors. Bref, pardon. Bah, ça change, d'habitude c'est les Roms, alors du coup. Ah, c'est Borderline, je sais. Bientôt tu vas traiter de portoricain. Ça s'est pas fait en un jour. Hein. Attends, mais du coup, il y en a un qui vont au cimetière et les autres ils vont s'infiltrer chez Wax, que c'est ? Yep. Et oui, camarade, choisis ton camp. Bah, pour l'idée, vu que le cimetière ça va être relativement calme, je pense que j'ai peut-être meilleur compte à aller chez Wax. Alors, Daniel, moi personnellement, je pense que l'utilisation de l'équipement nécessiterait des gens qui s'y connaissent un peu en électronique, etc. Ah, bah, comme tu veux. Bah après, de toute façon, je pense que du coup, on les récupère après, il n'y a pas besoin de les traiter tout de suite sur place. Non, il y a le micro-canon. Il y a le micro-canon à utiliser. Ah, dans qui... Et éventuellement, moi, je vais prendre un appareil photo que je dois avoir. Et éventuellement, si on a des jumelles, choses comme ça, ça peut être pas mal aussi. Je pense à un truc. Ils vont vouloir fouiller ma bagnole. Bien possible. De toute façon, je me demande même si ça serait pas intéressant d'emprunter une voiture le temps d'aller chez Maître Wax, tu vois. Donc il faut que je me débarrasse du micro-canon qu'il y a dedans. Enfin, entre guillemets, me débarrasser. Bah. En même temps, t'es dans la bagnole en question, hein, donc. En même temps, je dirais le micro-canon il appartient aux cops, on l'a emprunté pour une affaire, oui, pour faire des tests, c'est bon quoi, voilà. Vu qu'on est mis à pied, faut qu'on le rende en fait. Bah, on ira le rendre, Oh là là. Voilà. De toute façon, vous êtes plus à ça près, hein. Ouais, j'allais dire. Avec tout ce qu'on a sur le dos, le fait d'avoir vol de micro-canon. Et vu ce qu'on va faire à ce niveau-là. On retrouve le mandat d'arrêt de perquisition de ta voiture. On prouve qu'ils l'ont perquisitionné, qu'ils n'ont pas retrouvé le canon. On les accuse de vol et bam, on retourne à la situation. C'est un peu tendu. Et là, on fait sauter tout le SAD pour un vol de canon de micro-canon. Bam, voilà. Oui. Ouais, on va dire qu'on va rester sur le fait qu'on va aller sortir au plan d'origine. Hein. Vous êtes pas imaginatif quand même. Non, mais moi j'aimais bien. Moi je dirais plus qu'ils sont pas joueurs, mais. Oui, on n'est pas taquins. Ouais, c'est vrai, on n'est pas taquins. Non, moi j'étais complètement pour le plan de Lynn. Hein. Ah, pourquoi les gens ils sont pas. Ils sont pour. Hein. Bref. Bah, de toute façon, dans le truc, on a branché les micros. On va avoir le micro-canon. Donc, on va attendre que tout le monde dégage et on va récupérer les enregistrements. Et voilà. Donc, première chose à faire, louer une bagnole. Bon, ça c'est vite fait, hein. Bon, je veux pas vous demander comment vous faites pour louer une bagnole. Ouais. Hein. Vous le faites, point. C'est ça. C'est pas avec mon argent, hein. Avec l'argent de Chris, quand même, c'est bon. Non. Non, mais c'est bon, oh, on peut plus rigoler. Ben, alors. Mon argent. Comment dire moi je ferais bien moitié-moitié. Sur le prix de la location. Parce qu'on va être deux à l'utiliser, hein, pour faire le truc. Ok. Ça me semble le plus logique. Après, vu que vous avez squatté chez moi 2-3 fois, moi je dirais peut-être plus un tiers. Ouais, alors moi je parierais qu'on le fasse au prorata des revenus. Des gens. Je te donne le deuxième tiers et puis voilà. Non, mais je déconne, moitié-moitié c'est très bien, t'inquiète pas. Non, mais c'est bon. L'important c'est les valeurs. Vous savez que vous allez me ruiner au saloperie, hein, parce que. Moi je dépense ça quand même. Non mais. Vous achetez votre téléphone. La moitié c'est moi qui la paye, puisque t'as acheté les téléphones comme t'as dit. D'accord, ça me va. Voilà. C'est cool. C'est bon, moi de toute façon ma. Donc on prend la voiture. On met l'équipement qu'on soit dedans, à la limite si on trouve des jumelles. Et ce qui va bien avec, pour voir aussi, ça peut être sympa. Une caméra même, pourquoi pas. Oui, bon, vous prenez le matériau que vous avez prévu pour le truc, quoi. Ouais. Donc on va faire d'abord Maître Wax, et puis la maison, puis après le cadavre. Le cadavre. Bon, alors c'est simple, ça va se résoudre sur
sur l'infiltration. Un jet de dés. Vous faites ça au début d'après-midi, au moment où il y a l'enterrement. Clairement, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde à la maison, pour pas dire personne. Donc vous me faites votre jet. Je crois pas qu'il y ait infiltration, mais ça va coordination, être... discrétion. Ouais, ça va être coordination, discrétion. Déguisement pour se faire passer pour une plante. Que ça va être choc. Ouais, s'il en faut 3, je peux t'ajouter un point d'ancienneté s'il non, faut mais en c'est... plus. Non, c'est bon. Je sens mal. Ah non, ah, c'est bah, bon. Tu... Mais non, t'as bu ton fameux cocktail avant. Ah oui, c'est vrai. question, est-ce qu'on a dormi pour récupérer un point d'ancienneté ouais, ou pas ouais, je pars du principe que vous avez dormi. Hein. Même si vous avez, okay. Vous avez pas beaucoup dormi, mais oui. Vous avez tous récupéré un point. C'est cool. Pour ceux qui ont... Pour ceux qui ont des points d'ancienneté. Non mais c'est pareil pour l'adrénaline. Ah non, d'accord. C'est, tu récupères un toutes les 24 heures. Et tu choisis lequel tu récupères. Voilà. D'accord. Ce qui fait qu'actuellement, là je suis en train de checker. Il y a deux moi. Obi il a récupéré que 1 sur ses 2 points en fait. C'est exemple. Ça. Écoute, mais c'est important. Voilà. Ça peut être super important. Moi vite fait en point d'adrénaline, du coup je suis à 2, okay. C'est ça. Donc bah on se la joue comme dans Cops the Movie, hein, avec la fameuse fenêtre qui s'ouvre à la verticale, on triture le truc, on crochette, on ouvre et puis on rentre. Ok. Tac, 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 tac. Je suis en train de vérifier. Ok. Par contre, le premier truc à regarder, c'est est-ce qu'il y a une alarme quelque part ? Est-ce qu'il y a des trucs qui clignotent ? Non, mais vous avez fait votre jet, hein, de toute façon. Okay. De base, vous êtes rentré, il n'y a pas eu d'alarme et vous n'êtes pas fait gauler. Donc, bon, le bureau. Vous allez directement là où vous pensez trouver le dongle, de toute façon. Hein, à savoir dans le bureau de Maître Wack. Hein. Alors, le dongle. Et là, il y a Damascassi. What ? C'est simple, il n'a pas bougé de là où il était la dernière fois, ce que vous avez vu sur la vidéo de surveillance. Donc, il est là sous nos yeux. Oui. Il n'y croit pas. Le premier... Il n'y croit pas. C'est un piège, je m'en vais. Attends, c'est exactement ça. C'est trop facile, mais... je m'en vais. Ça Guillermo, on se regarde, et puis en même temps on fait, passe-moi. Oui, c'est bon, ça. C'est ça. Bon, alors, je vous dirais, dépêchez-vous, hein, parce que... on va prendre le dongle, je vais le fourrer dans ma poche, et on va se casser vite fait, bien fait. Oui. Santa Maria, ça y est, je pense, ça y est. Bon, je commence à voir la lumière au bout du tunnel. Et c'est pas un train. Pendant ce temps. Alors, ça c'est bon. On est. La foule est nombreuse à l'enterrement de Maître Wax. Et donc, toutes les funérailles ont été rapides car le corps vient juste d'être rendu par la police au grand dame du labo qui vient de terminer toutes les années en troisième vitesse. Oui. Donc, pavé et funèbre, juste un enterrement classique. Donc, tous les participants sont en noir, lunettes noires, parapluie noir. Bah oui, hein, je rappelle qu'il y a toujours cette pluie polluée qui tombe. Rien de spécial. Donc, vous, ceux qui sont aux lunettes et qui regardent, donc, il y a Justine. Il y a... Ouais, vous avez tous un appareil photo. Comment il s'appelle Danny m'a dit qu'il prenait un appareil photo avec un zoom. Donc, vous trouvez... Il y a des élèves. Certains ont la main droite sur le cœur et vous voyez... Ah, ils ont une chevalière. Eh, hey, mais c'est celle que vous connaissez déjà. Donc, il y a plusieurs élèves qui sont là, avec qui font ce geste et qui ont cette chevalière au... Qu'ont cette chevalière, et vous voyez aussi Paul, Dell et Brian Billion qui ont aussi cette bague, et vous voyez plein de personnalités, celles qui ont été citées avant, le juge de la seconde cour, l'avocat d'affaires, Michelle Hudson, Victoria Jacob, Douglas Hanley, plein d'autres personnes que vous reconnaissez, que vous avez déjà vu traîner dans les palais de justice, que vous ne connaissez pas, il y a sûrement des avocats, ouais. Des... Voilà, bon. Et prends tout photo. Le monde, en fait, passe présenter ses hommages à la famille, à Justine, et ceux que vous savez de comment ça s'appelle la société secrète font tous le même signe de la main avec leur chevalière. Bon, les deux doigts sur le cœur, un truc comme ouais, ça, non ça. On prend les noms ouais, mais de toute façon, vous les photographiez. Et du coup, est-ce que le canon révèle des choses?
Alors pour le coup là, ce que t'entends, c'est c'était un mug bien. Dommage qu'il soit parti. On prendra soin de toi. Enfin bon, en gros, bon bah c'est un enterrement quoi. Oui, ça je me doute mais. Et puis à un moment, il y a un gars qui va présenter ses condoléances que vous connaissez pas du tout, qui fait aussi, comment s'appelle le signe de la main, et qui a l'air de mettre un truc dans la main de Justine et il lui dit qu'il a rendez-vous à minuit sur le campus et qu'il lui dira qui a tué son père. Oh. Attends, tu peux me la refaire ? Il y a un mec qui lui dit qu'il lui donne quelque chose à Justine et il lui dit qu'il de le retrouver à minuit au campus et qu'il lui dira qui a tué son père. Ok. Pour le gars, je pars du principe que vous le mitraillez de photos. Hein. Ouais. je suis pas là, mais ça ressemble fort à ce qui s'est passé avec la Miss Mélissa hier. Hein. Enfin, cette ouais. Nuit. Je pense que si on n'agit pas vite, on va le perdre. Et après, bon bah, l'enterrement continue, puis ils font une marche vers la maison. On a déjà évacué depuis bien longtemps. Oui. Ok. On n'a même pas bougé une seule moquette. Alors, y'avait quoi dans le sac déjà ? Alors, une clé magnétique, une clé magnétique avec une lettre et un numéro dessus, et aux couleurs de l'école. Le masque et le disque dur. Réfléchissez. Alors, masque, clé et disque dur. Bon, ça c'est fait. Du coup, qu'est-ce que vous faites maintenant ? Je suppose connexion internet, donc le disque dur. Pour nous, on va direct chez. Ah non, le stagiaire il est au CAPS là. Non, on va récupérer le disque on va dur chez Chris. À la... Ah non. On va récupérer notre disque dur à la consigne, on va prévenir nos petits camarades et on va tous se retrouver chez Christopher. Chez Christopher, il y a des gens du SAD qui sont en train de tourner. Alors, ouais, il y a la perquisition. Oh, la perquisition. Sérieux. Il faut aller ailleurs. Il faut aller ailleurs chez quelqu'un qui aura un ordinateur ou. Et internet. On est libre d'aller où on veut. Bah, on peut aller dans un cybercafé. Bibliothèque. Hein. Ouais, une bibliothèque ou un truc comme ça. Hein. Ou encore mieux, pour être. Oh putain, j'ai un plan. Oh merde. Accrochez-vous bien. Hein. Mm-hmm. Et si on allait voir le mec qui s'est fait mis dans un placard à Santa Marica, là, ou je sais plus où, là. Le journaliste. San Francisco. Ouais, ça fait un peu loin quand même. Hein. et juste comme ça, si tu pars à San Francisco, ça, autant dire que bon bah c'est bon, tu vas en taule. Hein. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Là, tu fuis la ville. Ah, putain. Non, mauvaise idée. Vous allez dans un lieu public où il y a internet et un ordinateur, quoi. C'est ça. Voilà, un truc, ouais. Voilà. Bon. Tranquille. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cet ordinateur, dans ce disque dur ? Bon, prêt ? Non. Dommage. Parce que c'est parti. Donc, il y a rien. Sur le disque dur, il y a plein de fichiers. Bien trié, ça c'est cool. Vous avez un dossier marqué LPD. Allez, vas-y. Un dossier marqué Gorg. Vous avez un dossier marqué Manfred. Et vous avez un dossier marqué Chimiste. Oh putain. Oula. LPD, c'est gang. Une couverture de drogue. Ok. LPD. Et attends, vous avez d'autres dossiers qui sont marqués. Enfin, vous avez un espèce d'accès à un site sur le net. Alors, tu m'as... Ah oui, Manfred. LAPD, Manfred. Gang et chimiste. Manfred, gang, chimiste. Gang, chimiste. Et les petits dossiers. Ça, c'est ce qui est marqué. Après, je vous dis ce qu'il y a dans chacun des dossiers, hein, de toute façon. LAPD. LAPD, il y a une dizaine de fichiers, dont 5 fichiers qui sont marqués à vos noms. Ok, c'est des fiches pour pouvoir incriminer ou ils connaissent non, tout. Non, c'est votre dossier complet. C'est notre dossier complet. Ah oui, carrément. Voilà, c'est ça. C'est votre dossier complet.
Ça va de votre entrée au COPS, enfin votre entrée à l'académie, pour ceux qui ont fait l'académie de police. En fait, tout ce que normalement le COPS possède sur vous, enfin le LPD possède sur vous, bah c'est dans ce dossier. C'est le dossier, voilà. Est-ce qu'il y a mon truc de protection de témoin en plus? Ah ouais, ouais. Et sauf qu'il n'y a rien de crypté là, hein, tout est dispo. Putain, l'enfoiré. Dossier Manfred? T'as un dossier qui parle du. T'as plusieurs dossiers, t'en as un sur Manfred, un sur le Medusa Vault, et un sur. Comment il s'appelle le garde de la sécurité là? Je sais plus comment. J'ai plus son nom. Ouais, Rose machin là. Ouais, voilà. J'avoue, j'ai plus son nom en fait. Attends, je vais voilà. Manfred, c'est un dossier de police. Ouais. Avec des annotations comme quoi il. Il serait, on soupçonne de faire tourner, de pas être, de faire des activités illégales dans son bar, mais pas plus. La plupart c'est des dossiers de police en fait trouvés, sur chacun. Et sur le Medusa Vault, les plans du Medusa Vault. Ce qui peut être sympa quand tu veux essayer de le faire flamber pour savoir où tu vas poser tes bombes incendiaires. Mmh. Les gangs. C'est les trois gangs qu'on connaît déjà. Ouais, c'est à peu près la même chose que vous savez, c'est sur les trois gangs. Les Mesa, les Calexico et les Ocampos, avec, pareil, le nom des chefs de gangs, les lieux où ils se réunissent souvent. En fait, vous avez les dossiers de toute la... là, c'est les dossiers exactement de la répression des gangs, comment ça s'appelle? La BAC. Ouais, c'est pas la, sauf que c'est pas la BAC. Ouais, mais bon, l'équivalent, quoi. Oui. Alors, attends, je l'ai plus en tête, mais attends. Ah, c'est chiant. L'anti-gang. Ouais, l'anti-gang. c'est quoi déjà le nom? Pas très. C'est pas le plus important, mais bon. Ah, punaise, pourquoi c'est mélangé ces trucs? Ah, je l'ai sous les yeux. Hop. Bon, en tout cas, les dossiers. J'ai mis le service département, non? Criminal. Non, mais c'est pas grave, dans tous les cas, et... Organism Crime Division. OCD. Vous faites un petit jet d'informatique global, s'il vous plaît. Éducation informatique. Parce que, il y a plein de fiches. Alors, éducation informatique. Je suis pas génial en informatique. Bon, 3 succès. Yeah, je suis le meilleur. Ouais. Pardon. Deux succès. Du coup... Attends, je finis. Les chimistes aussi. Vas-y, il faut que je répète. Les chimistes. Ce que j'ai dit. T'as parlé des chimistes ou pas? Non, pas encore. Non, j'y arrive justement. D'accord. Non, alors j'ai pas de questions. Alors, les chimistes... Ah putain. Il y a plusieurs fiches de chimistes qui sont tous tirées des dossiers du Nadiv. Alors, c'est simple, ça veut dire que ce sont tous des chimistes qui ont trempé dans la fabrication de drogue. Il y a plusieurs fiches, mais il y en a trois qui sont mis au-dessus des autres. Et vu le jet que vous avez fait, la différence entre les trois et les autres, c'est que eux, ils sont en liberté. Donc, on a Johan Wong, Sibyl Mayer et Augusto Néron. Ce sont les trois en question. Johan Wong, après le deuxième. Sibyl Mayer et Augusto Néron. Le mec avec un nom pareil, il peut faire un procès à ses parents. Ouais, c'est clair. donc c'est tous des chimistes en liberté. Des chimistes en liberté. Les fiches sont tirées directement du Nadiv pour ce qui est des chimistes et du HRB pour ce qui est des cops. Du coup, dans les fiches, il y a leur adresse. Eh oui. Ah, bon, on va leur rendre une petite visite alors. Et il y a aussi, comme c'est directement du Nadiv, ce que vous voyez, c'est qu'il y en a deux qui se sont pas pointés. Ils sont tous sortis de tôle, hein, les trois. Il y en a deux qui se sont pas pointés à leur. Lesquels des deux? Alors justement, je vais te dire, mais il y en a deux qui sont pas pointés à leur. Un contrôle judiciaire. C'est ça. Mmh.
Alors, alors, que je retrouve, lequel c'est ? Fichier. Il y a encore d'autres fichiers, hein, j'ai pas fini avec les fichiers encore. Sinon, pendant ce temps, on vous dit qu'on a rendez-vous ce soir à minuit à la fac, hein. On y va. Joanne Wong, Sybille Meyer et Augusto Néron ont tous été attrapés pour avoir trempé dans la fabrication de stupéfiants. Tous les trois sont sous contrôle de la justice et les deux premiers, à savoir Joanne Wong et Sybille Meyer, ont filé. Ils se sont pas pointés. Il reste Augusto Néron. Ouais, bah du coup, on va aller à chez lui alors. Parce qu'à mon avis, les autres sont peut-être loin. Ah, c'est sur le truc. Qu'est-ce que vous avez d'autre dans le fichier? Parce que c'est pas fini. Donc, alors, vous remarquez un truc, c'est que les fichiers que vous regardez sont accessibles via Internet. C'est-à-dire, ils sont pas sur le... Ouais. Directement sur le disque. Ouais, c'est genre un cloud, quoi. Juste le soft qui vous amène sur le net. Mmh. Ouais, vous n'avez pas accès à la sauvegarde. Vous pouvez pas sauvegarder les fichiers. Par contre, vu que vous avez réussi votre jet d'informatique, pour certains pas mal, clairement, il y a un bouton imprimé. Ah, il y a un bouton screenshot. Ouais, voilà. Mais voilà, mais tu peux imprimer ou faire des screens. Ouais. Donc, fiche okay. Des Simis, fiche des cahiers de Norwalk, fiche de Wax. Vous avez une fiche, ouais, sur Maître Wax. Des cops, demande Fred. En fait, de tous les gens que vous avez rencontrés sur cette affaire, en fait, quasiment. Sauf. Est-ce que. Damasque. Est-ce qu'il y a une fiche sur le mec qu'on a croisé Attends. A dit rendez-vous à minuit? Justement, je continue. Vous avez des fiches sur les techniques de pyromane qui ont été sous-consultées. À savoir les bons mélanges, etc. Et vous avez ainsi plein de plusieurs fiches sur les différents réseaux de drogue connus dans la zone de LA. Des fiches sur Paul Den, Brian Billion, Ralph Padigan, Miguel Ornas Alvarez. Ouais, ça c'est les membres de la société secrète, ça, non? Paul Dell, Brian Billion, sûrement. Ça c'est les deux gamins. Voilà, Ralph Padigan connaît pas. Miguel Ornas Alvarez, ça te dit rien. Ça. Donc, Ralph Padigan. Dans tous les cas, l'autre... ce qui est sûr, c'est que ces fichiers proviennent, en fouillant, vous trouvez en fait, ça vient clairement du disque, c'est clairement le disque dur de Maître Wax. Yeah. J'imprime ces deux fiches, hein, de Miguel dans et de Padigan. Vous avez entre les mains le disque dur de Maître Wax. Vous trouvez d'autres dossiers qui, eux, sont enregistrés sur le truc et qui correspondent à vous trouvez même des photos de Justine. Mais ouais, c'est clairement le dossier de Maître Wax, ça appartient à Maître Wax. Habillé. Tout ce que vous consultez en fait sont les fiches qui ont été consultées en dernier en fait par Maître Wax. D'accord. Il n'y a pas un historique de consultation. C'est l'historique en fait que je vous fais. Non mais les autres, genre qui les a consultés à part Maître Wax? Pour y avoir accès, il faut avoir le dongle de Maître Wax. Parce qu'on a? Non mais je veux dire, sur le site où on a accès, il n'y a pas l'historique. En fait, sur le site que tu as accès, tu as que ça, c'est l'historique normalement qui a été consulté en dernier. Oui, mais on n'a pas, on a les documents que Wax a consultés, mais on n'a pas la liste des gens qui ont consulté ces documents en plus de Wax. Ah. Voilà. Et donc, en gros, et bien sûr les fiches de chimistes, des caïds et autres. Donc, on va imprimer un petit peu tout ça, hein. Ouais. Et puis, moi, je propose qu'on aille très très vite chez le chimiste. Qui a répondu à son contrôle judiciaire, parce qu'il est probablement dans la zone. Objection. 1, 2, 3, on y va. Voilà. Par contre, là, on a plus de plaque, on a plus rien, hein, donc il va falloir le... J'ai mon 557, et la justice est avec moi. Non, mais moi, j'ai mes biceps. On n'a pas non plus de Judge Dredd avec nous. Ah, merde. Ni Dirty Harry. J'ai un gros flingue. J'ai un très très gros flingue. Hein. C'est un Magnum 747, le seul soufflant capable d'arrêter un troupeau de bulldozers d'une seule balle. Ouais, mais ça va nous servir à quoi d'aller voir le chimiste? Peut-être que lui il nous dira des choses. Voilà, parce que on a beaucoup d'éléments, on a des liens entre eux qui semblent assez évidents, mais on n'a pas
On n'a pas de phrase qui lie les deux. Tu vois, on sait pas si la drogue en question, là, parce que visiblement, on parle de chimiste, on sait pas qui l'a fabriqué pour la vendre à qui. On a des doutes, je suis d'accord, mais avoir quelqu'un qui nous dit, qui nous confirme des choses, c'est peut-être mieux. Il y avait trois chimistes, le chiffre 3 revient avec les gangs. Ouais. Voilà, donc du coup ça peut matcher. Le Médusa Volt au milieu qui fait sa merde, je sais pas. Donc peut-être que lui pourra nous éclaircir un peu sur les objectifs des bad guys. Voilà, c'est un peu mon espoir. Dans tous les cas, vous êtes garé devant chez lui. Et ce qui va être cool, c'est qu'on va pouvoir le brusquer. Ouais, peut-être ouais. Pas trop non plus, faut pas exagérer. Oui, on va le laisser parler au moins. Bon bah vous êtes devant chez lui. Ding dong. Fais le tour. Ouais, on sait jamais qui sort de l'autre côté. C'est ça, ouais. Oui, je vais accompagner. Guillermo, avec moi. Ouais. En passant, tu vois en fait par une fenêtre qu'il est en train de faire sa valise rapidement quand tu fais le tour de chez lui. D'accord. Bon. On va l'attendre derrière. Ouais. C'est simple, il sort derrière. Bah, voilà. Je le tacle. C'est gratuit, c'est ta clé. C'est gratuit, c'est ta clé. Blam ! Je te plaque. Et vous rentrez à l'intérieur, je suppose. Oui, tout à fait. Bon. Ok, il part en vous maintenant, vous faites quoi ? On va ouvrir la porte de ceux qui étaient devant. Oui, voilà, tu y vas, moi je le surveille. J'ai rien fait, qu'est-ce que vous voulez ? Vous êtes qui ? Ah, je vous reconnais. Amblé, tu parles pas, tu t'assieds et tu réponds aux questions qu'on va te poser. Il y a la dame qui veut te parler. Bah, vous pouvez poser les questions aussi, hein, je veux dire, je suis pas non plus... Ouais, non, mais je sens menacé, le gars. Alors, juste, on est des flics et on a perdu notre plaque. Et tu vas comprendre très vite que ça rend très nerveux un flic quand il a perdu sa plaque. Et j'ai besoin d'un peu de symbole. Deux conseils. Ton arme est visible aussi. Ouais, mais je me semble. Enfin, je. Comment dire. Je m'approche pas forcément. Non, clairement non. Non. Je sais, on va pas t'empêcher de partir. On va te laisser. Elle mâcher du chewing-gum et botter des culs. Et elle a plus de chewing-gum. On va te laisser tranquille, mais on a besoin que tu nous dises ce que tu sais sur le bordel qui se passe en ce moment autour de. Du Medusa Volt et. Et 2-3 conneries autour, quoi. Et des gangs de Norwalk. Ok. Intimidation. Là, vous êtes 3 dessus. Hein. j'entends plus beaucoup depuis tout à l'heure. Je vous écoute. Mais là, ils parce qu'il a aussi les gars. Mais tu peux jouer aussi, hein. Tac. Intimidation, moi, quoi j'ai comme gras, caractéristique, en fait. Sans froid, je suppose. Ah, là, c'est carrure, hein. Carrure. Génial. Oh. Voilà. Ça a piqué. Et bah c'est, je fais de la merde, mais je le fais bien. Carrure, carrure et intimidation. Ah moi j'ai sorti la phrase et moi j'ai besoin d'un punching ball. Ouais. Ok. Ouais. Lynn, c'est pas trop ça. Mais bah, donc, en carrure, en carrure non quoi. Vu qu'il était, il a... Non, c'est vraiment pas ça. Ah oui, t'as relancé. Bah, parce que j'ai le droit de relancer un échec, donc. Oui. C'est pas ton mot. Mais c'est l'échec d'un échec. Mais dans tous les cas, ça passe. De toute façon, il n'avait pas besoin de grand chose pour craquer le gars. On t'entend. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, non. C'est sa femme qui lui parle. Ouais, c'est rien. Donc. Bon. Il va raconter toute son histoire. Oh, oui. Alors, on va démarrer alors... par les dinosaures et on va sauter quelques millions d'années pour arriver à l'histoire. On veut pas l'histoire de son prénom qui est vraiment stupide, mais... Bon, dans tous les cas, il vous explique qu'il y a peu, il y a de ça quoi, 2 semaines, même ouais, un mois, il a été contacté par un certain Saint James. Précision, on enregistre. Oui, vous avez été j'ai été contacté par un certain Saint James. Le mec, c'est simple, il est arrivé et il m'a sorti mon CV depuis la maternelle, ainsi que
tous les délits où bah j'ai jamais été pris en fait. Intéressant. Et après il m'a dit que c'était pas grave et qu'il allait me donner une grosse somme d'argent et en échange bah je devais disparaître et attendre qu'il me contacte. Il m'a donné une formule chimique à étudier et de le répéter bien sûr à personne sous aucun prétexte. Ce que tu fais très bien. La formule en question s'appelle l'Apocalypse S. Je sais pas vraiment d'où ça vient, hein, mais bon, clairement, c'est une drogue. Faut dire en même temps, je travaille pas dans la sucette. Oh. Ou alors la sucette aux amphétamines. Bah, mon contact, donc ouais, ne parle que par. Par contre, c'est chiant, ouais. Il parle que. Enfin, c'est chiant, c'est... il est bizarre, il parle que par image biblique, toujours au téléphone. Il me fait pas venir l'argent en le plaçant dans une poubelle. Par contre, l'enveloppe qui contenait les prochaines instructions de Saint-James, ça. Ah oui, il faudrait que je... Bien sûr, j'ai brûlé tout, les instructions, etc. Et tous les billets sont déjà usagés. Et là, normalement, il est censé me contacter demain ou après-demain. Demain, c'est mieux. Voilà. Mais exactement ce que je pense de ce truc, c'est qu'il y a... Il doit y avoir une nouvelle drogue qui va être produite parce que je connaissais pas, j'ai pas essayé, mais voilà, c'est clairement. C'est quoi les points de... Calme-toi. Toujours le même endroit pour récupérer l'enveloppe. Laisse-moi. Donc, tu peux le laisser finir de parler hein, parce que sinon il s'arrête. Hein. Le bouscule pas. Vas-y, continue. Pas. Le truc, c'est que. Bon, l'astuce spécialement sur ce truc, c'est qu'a priori, les Saint James fournit en toute légalité les ingrédients en fait aux gangs. Il fournit un chimiste, donc je pense que ça va être moi. Comme ça, bah, je pense qu'il se mouille pas directement. Et bon, si vous connaissez un peu les lois, les lois sur tout ce qui est drogue, c'est un peu flou et donc il profite du flou pour pouvoir, je pense, écouler sa propre marchandise et toucher un bénéfice au parti. Pas ça. Et il vous donne la formule et les matières premières dont il y a besoin pour la mettre en place. Ok. Et donc, il a jamais vu Saint James. Est-ce que, à part le parler biblique, est-ce qu'il semble assez cultivé ou ça a l'air d'être un cliché idiot Clairement, je sais pas, mais personnellement, moi, j'ai pas lu la Bible, hein, donc. Vous avez un portable avec les photos que vous avez prises à l'enterrement pour lui montrer des tronches, voir s'il reconnaît 5 gemmes. Non, mais non, il a jamais rencontré. Il l'a pas vu, il l'a pas vu. Ok, donc. Très bien. Et pour récupérer les enveloppes, c'était toujours le même endroit ? Non. Dommage. Et au cas où vous demandez, non, j'ai tout brûlé sur ce qui est des instructions. Oui, non, on a bien compris, il n'y a pas de problème. Attends, je peux m'en aller ? Attends, vous n'allez pas m'arrêter ? Je vais faire un grand sourire. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais faire un grand sourire hein. non, juste genre, pour. Pour genre, quel. Genre, attends. Est-ce que tu savais pour quel gang tu allais travailler ? Absolument pas. Je dis, j'aurai les instructions dans un ou deux jours. Justement, et je vous dis, c'est une supposition. Hein, au vu des matériaux que j'ai vus et de la façon dont ils procèdent, c'est juste une supposition que je fais. De toute façon, c'est complètement autre chose et je me trompe. Ça peut être sympa, on peut squatter ici en attendant le coup de fil pour récupérer le... Mais ça voudrait dire qu'il bouge pas forcément. Le coup de fil, à Augusto. Il reste ici et puis... N'est-ce pas, Augusto ? Ou je laisse mon portable et je m'en vais. Enfin, mais si en tu fait, vas reconnaître que c'est pas ta voix... Moi, le... Alors... Le fait que le mec avait toutes les infos sur le chimiste me fait clairement penser qu'il est de la haute cour, quoi. Oui, et qu'il a des liens avec la police et des trucs comme ça, forcément. Bah, la haute cour, c'est ça, hein. Je pense qu'il... Clairement, on l'a fait il y a 5 minutes, on a fouillé, on a trouvé nos dossiers, etc. Je pense que la haute cour a les moyens des espions dans des fichiers comme ça et qui peuvent remonter pas mal de choses. Ah, c'est sûr qu'ils ont des moyens. Très bon hacker. Et ils ont des moyens et des ramifications au niveau de la police. Maintenant, des juges, etc. Qu'est-ce qui leur prend d'aller
Parce que la haute cour, a priori, c'est un truc de droit, mais tu me diras, ils font peut-être du fric en contrepartie, mais... Bah, je suis pas certain que ça soit toute la haute cour, en fait. Je pense que c'est un membre de la haute cour, mais que il le fait sous couvert de la haute cour, mais que toute la haute cour n'est pas forcément au courant. Ouais, il en profite, quoi. Ouais, je pense que c'est un petit profiteur qui a besoin d'argent et qui, du coup... C'est une statut... fenêtre d'opportunité qui s'est dit que ça avait... Ouais, qui a un statut plutôt sympa dans la haute cour et qui va en profiter pour faire tout son bénéf. Et que les autres membres, on va dire qui eux sont des juges, des machins, des avocats, etc., sont pas forcément au courant de l'idée, quoi. Et il veut aussi peut-être monter dans, et peut-être... dans les rangs de la haute cour. Et peut-être que Wax a été assassiné pour ça. C'est qu'il parce qu'il a avoir des preuves. Une espèce de psychopathe qui fait sa drogue d'apocalypse pour puter tous les drogués de la ville parce qu'il se croit investi d'une sainte mission. Hein. Amen. Oui. Voilà. Voilà, c'est... par contre, il y a un truc qui m'a chagriné sur le disque dur. Quoi donc? Il n'y avait pas de dossier sur Damask. Ah oui, mais il s'intéresse qu'aux gens intéressants, c'est-à-dire nous, pas Damas. C'est-à-dire quelqu'un qui a même pas réussi l'entrée au COPS, quoi, sérieux. Il a pas quoi. Réussi à rentrer au COPS, il a même pas réussi à être sur le dossier des hautes cours. ce type n'est rien. Voilà, ça au moins ouais. C'est fait. C'est juste un petit con qui a une tache dans le pantalon. Ouais, il s'est fait damasquer. Mais... Ah, je le garde à le mieux, ça serait d'avoir. Non, mais moi, franchement, je sens gros comme une maison. Mais est-ce que je peux dire ma théorie? Vas-y, t'es là pour ça. On t'a pas empêché de la dire jusque-là. Ma théorie à moi, c'est E égale MC carré. Ouais, c'est ça. Non, c'est Damask fait partie de la haute cour, mais il ne le montre pas. Oh, je pense pas qu'il soit assez intelligent pour ça. Alors, il aurait pas réussi à rentrer au COPS avec ce genre de contact. Eh ben putain. Mais c'est vraiment le boulet. Hein. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord à ce niveau-là, mais c'est alors, comment où... C'est plus il y est entré après. Alors, bah, il faut avoir fait cette école-là pour être à l'école. Et est-ce qu'il l'a fait lui cette école? Est-ce que tu connais la théorie du rasoir d'Occam? Hein? Est-ce que tu connais la théorie du rasoir d'Occam? Il n'a pas l'air de vivre avec beaucoup d'argent. On va dire que la théorie du rasoir d'Occam, c'est si tu as deux probabilités, c'est la plus simple et la plus logique qui l'emporte forcément. Parce que c'est la plus probable. Donc, qu'est-ce qui est plus simple et plus logique? Ou c'est un confini, ou c'est un master chef de la confini qui est capable de se faire passer pour un confini, alors qu'en fait, c'est le grand méchant qui manipule tout. Usual suspects inside. Ouais, mais moi, je pars sur des théories de complot de malade. Donc... Oui, mais là c'est un peu trop malade. Là. Ouais, je suis d'accord. On va rester sur le fait que c'est un confini. Alors, au chimiste, là, on va lui dire que ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui. Enfin, comment les gangs récupèrent les matières premières. Mais il en a aucune idée pour le. Oui, il en a aucune idée lui. Que ça va être Saint James qui va leur fournir les matières premières. Sinon, le gars, il a aucun intérêt dans l'histoire, quoi. Il gagne pas d'argent, quoi. Alors, oui, ça d'accord, contre... mais du coup, la question c'est est-ce que Saint James utilise directement l'école ou est-ce qu'il a un entrepôt ailleurs, quoi. Parce qu'à Norwalk, c'est pas ce qu'il manque. Il sait même pas c'est quoi l'école, hein, pour le coup. Ouais, non, mais. On a un temps d'avance sur Saint James, on pourrait foutre déjà le téléphone portable d'Augusto sous écoute, ou s'arranger pour qu'il le soit. Sauf on n'a pas de matos pour le faire. Non, moi ce que je demande, c'est tout simplement qu'il nous prévienne. On va le laisser partir. On va devoir lui faire confiance, hein, mais non, l'idée c'est de mieux. Dire. C'est on, mieux. On va lui. J'ai mieux. Compris. Accouche. Prépare ta valise, tu viens avec moi. il a le droit de refuser. C'est-à-dire pour les quatre. Alors, par contre, on va quand même te demander de nous expliquer ce que tu comptes faire, parce que bon. Ah mais je vais t'emmener chez moi pour qu'il soit le planqué.
D'accord. Par le chez toi qui est sous sur qui est fouillé par le SAD et tout ça, tu veux ramener un chimiste qui a été convaincu de crime Je suis pas certain que ce soit une bonne idée, mais je pense que ça aurait pu te desservir quelque chose. Ouais, c'est pas faux. Ah. Ou sinon... Moi je pense que le laisser peinard, à mon avis, le mec c'est un filou, hein, c'est une anguille, il va se démerder. Si on est gentil avec lui, il nous informera peut-être de nouvelles infos qu'il va recevoir, et puis voilà. Ouais, on lui glisse un petit billet, un ticket resto, et puis on n'en parle plus quoi. De toute façon, c'est simple, le deal est simple, on le laisse partir, il nous prévient si Saint-James se contacte, et si de toute façon il nous prévient pas, ce qui Saint-James devrait le contacter d'ici 48 heures, ce qui est très probable, si on a arrêté, on le fait plonger avec nous en disant qu'il faisait partie de la bande et tout, quoi. Comme ça, il est content, il va retourner en prison. Non, c'est pas con. Et que si on plonge pas et qu'il nous a pas aidé, bon, il vaudrait mieux pas qu'il revienne sur Los Angeles, quoi. Voilà. Sinon, si on risque de récupérer nos plaques, on risque de l'envoyer direct aussi en prison. Mais tout seul, cette fois. Voilà. Après, alors là, je vais parler en termes de campagne. Clairement, le type, là, si vous négociez bien, ça peut vous faire un contact. Hein. Enfin, un informateur. Hein. Parce que, c'est grosso modo ce qu'on lui demande, hein, de nous informer quand Saint-James... Je préfère vous en parler, parce que c'est vrai que ça vous vient pas de base à l'esprit. Il ouais. faut pas hésiter à réfléchir à si les personnes que vous rencontrez, vous pouvez vous en faire des informateurs. Alors, moi je veux bien, mais j'ai pas les moyens. Alors du coup... Oui, non, mais. Hein, le truc, c'est de surtout savoir comment réussir à le retourner, quoi. Parce que là, je. Mais le truc, c'est que. J'ai envie de s'enfuir. Denis, il sait le retourner, mais ça va pas lui plaire. Attends, la seule façon de le retourner, c'est de lui proposer une protection. Ce qui est pas faux. C'est-à-dire, on va jouer carotte et bâton. S'il nous informe pas, on le fera plonger. C'est ça. S'il nous informe, par contre, on lui garantit qu'on le protège, et au pire. On va dire que s'il devient un formateur régulier plus tard quand on récupère notre badge, bah, on fermera les yeux sur 2-3 trucs, quoi. Tant qu'il ne trompe pas dans la vente sur des écoles... Vous dites ça en substance, lui c'est simple, ce qu'il vous dit, c'est simple, je veux pas être impliqué de près ou de loin dans cette affaire si vous accusez qui que ce soit. Vous démerdez, mais moi je veux pas apparaître dans vos rapports. Vous avez pas votre plaque, il vous le dit clairement. J'ai pas envie d'apparaître dans vos rapports, j'ai pas envie qu'on vienne me chercher. Parce que comme je suis en liberté surveillée, si j'apparais, c'est simple, je retourne en tôle. Eh, petit gars, quel rapport. Non, mais y a pas de problème. Ouais, y a pas de soucis. De toute façon, comme tu l'as dit, mon vieux, y a pas de plaque là, donc on n'est pas en service, donc on peut strictement rien faire. Hein. Voilà, juste c'est le deal qu'il vous propose. De toute façon, vu les talents de Denis pour rédiger des rapports, ça va. Oh, je t'emmerde. Et bim. Non mais d'accord, ok, on va faire ça. Quel rapport? C'est pour ça que donc je sur ce, je lui donnais sa valise, vu qu'elle était déjà prête. Et je vais y faire attention en sortant dehors, derrière il y a une marche. Ah ouais, service monsieur. Oh, je lui donne mon téléphone top secret, mon numéro, hein. Pas mon téléphone vrai, hein. Pas le téléphone, je lui donne le numéro. Et je lui dis qu'il peut m'appeler s'il veut, s'il a des petites infos, etc. Ok. Ça peut être pratique. Bon, bah sur ce messieurs, je vais vous laisser, je dois me lever tôt demain matin, enfin cette nuit. Je vous laisse là-dessus du coup. Ok, repose-toi bien. Merci. Bonne nuit, salut. Bonne nuit. Bon, la question c'est, est-ce qu'on s'arrête là ou on continue? On peut encore faire 20-30 minutes, mais bon, pas plus. Bah, je pense qu'on peut arrêter, mais on peut quand même débriefer. Hein, oui, on va débriefer. On va stopper là, mais on va débriefer parce qu'on a fait une belle avancée là. Bah, une belle avancée, on a trouvé plein de dossiers et tout, mais faut les coordonner pour pouvoir s'en faire une défense contre l'autre glandu. Juste parce que. Bref. Le souci, c'est qu'on a plus nos plaques, c'est plus d'officiel. Comme vous avez eu plusieurs dossiers et que vous avez aussi les photos des gens à l'enterrement. À l'enterrement. Donc vous trouvez la gueule du gars qui a parlé à Justine dans les photos. Ouais. Voilà, je vous le mets. Paddy Gann. Belle tête de vainqueur. Ouais. Ah oui. Donc ce Ralph Paddy Gann là.
Ça, à mon avis, c'est Will St. James, parce que il avait quand même, il a quand même dit au gamin, ouais, ben en fait, je vais te dire qui a tué ton papa. Ouais, alors par contre, ça craint ça, parce que ça veut dire que le gamin, il va peut-être avoir la même fin que Mélissa, et je me demande s'il faudrait pas quand même avoir une protection rapprochée sur le gamin là. Ça, je peux m'en charger. Ben, oui. Le problème, c'est qu'on n'aura pas. Du meurtre du papa, elle est chargée de la protection du fils. Où est le problème? Oui. Par contre, il y a une chose qu'on sait. Il y a une chose qu'on sait, c'est qu'ils vont être là-bas à minuit ce soir. Donc. Comment on sait ça? Parce qu'on l'a écouté nous au cimetière. On l'a entendu. Il lui a dit rendez-vous à l'école à minuit ce soir, et je te dirai qui a tué ton père. On a toujours le canon micro là, donc oui. on peut enregistrer à distance. Ouais, mais on peut enregistrer à distance, se mettre à portée, parce que ça veut dire que si Padigan a l'information, ça veut dire que le meurtrier sait que Padigan l'a aussi. Ouais, mais s'il la révèle au gamin. C'est quoi votre plan là en fait, que je comprends pas avec le canon là. Bah ouais, si Padigan va dire au gamin qui a tué son père. Si on a l'enregistrement, ça nous innocente. Bah non, parce que il va dire que c'est nous, hein, je pense. c'est pas sûr. Non, je pense que si. Et deux, je pense pas qu'on aura accès. Je pense qu'il va falloir s'infiltrer dans l'école. Encore. Et du coup, arriver à. Moi, ce que j'espère, c'est se trouver des preuves de ce trafic de drogue, en fait. Parce que là, on en a pas mal. Mais c'est pas suffisant. Idéalement, il faudrait peut-être des photos des matières premières ou trouver ces matières premières. Ouais, je me demande quel taré donne comme nom à sa drogue. Parce que poudre d'ange, méga trip. Je suis un mec qui a beaucoup de pouvoir dans une société secrète d'une école qui forme tous les mecs de la justice de Los Angeles et de Californie, ou les meilleurs en tout cas. Je crée un petit business avec des gangs locaux pour me faire du pognon. Sous couvert de l'école, et de toute façon, la partie illégale de mon plan est relativement fine, puisque la législation du pays est quand même assez souple là-dessus. Je pense qu'il utilise les ressources. Pourquoi il crame le Médusa Vault avec des gens dedans? Ça, je sais pas. Parce que le patron du Médusa ne voulait pas distribuer la drogue. Ben, je sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui nous manque. C'est le seul élément qui manque, en fait, pour l'instant. Parce qu'on sait qu'il trempe dans du trafic. Il contacte les gangs, il file du truc, etc. Apparemment. La question, c'est pourquoi il a déclenché tout ça. Ben, je pense que, comment dire, le mec, il a voulu proposer aux gangs le marché, le deal. C'est pour ça que les gangs étaient là. Sauf que peut-être que le Médusa, il a pas voulu que l'accord se fasse, enfin le Manfred, a pas voulu que l'accord se fasse pour une quelconque raison. Et que c'est parti en sucette entre les deux, et puis voilà. Le seul qui pourrait nous éclairer là-dessus, c'est le chef de la sécurité. Hein. Oh, Chase. Éventuellement. Il travaille aujourd'hui à la Lomax. Il travaille à la Lomax. Hein. Ouais, en même temps. Attends, du coup, il y avait un dossier sur lui? Oui. On a son adresse. T'as eu l'adresse en effet. Voilà. Mais non, mais son adresse on l'a déjà, de toute façon on sait où il habitait le mec. Maintenant il habite à l'académie, enfin à l'université. Il y a de fortes chances qu'il dorme là-bas maintenant. Oh putain, qu'est-ce que ce mec. Moi, alors. Oh le chef, je le tacle comme l'autre là. Mais t'as rien fait, ce type. On a que des informations parcellaires, on n'a rien qui peut nous innocenter directement, quoi. Et on est à deux doigts de l'avoir, on est bien d'accord, mais pour l'instant, on n'a rien. On n'a que des faisceaux de présomption. Alors, le truc, c'est que je pense pas que ça soit forcément le but du scénario. Quoi, de nous innocenter? J'espère bien, parce que j'ai pas envie d'aller en prison et de crever. Non, c'est pas ce que je veux dire, c'est que
Je pense pas qu'on arrivera à nous innocenter de façon vraiment légale, parce que au final, leur dossier, il tient sur pas grand-chose. Il tient sur des rumeurs, il tient sur des trucs. Nous, on le sait qu'on n'est pas coupable. Donc les preuves qu'ils ont, c'est juste des caméras qui peuvent être... Le jury en soit convaincu. Oui, mais je te dis, les preuves qu'ils ont, c'est un flic du SAD qui est hyper convaincu qu'on est les coupables, et une caméra de surveillance qui peut être trafiquée facilement, qui montre le signe d'un badge de nous, qui a été diffusé à la télévision, et que... Les caméras... L'enregistrement vidéo n'a jamais été diffusé à la télé. Non, le badge, en fait. Tu veux dire que le badge... Non, le badge. Le numéro du badge a été vu à la télé. Ah oui, 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 en effet. Parce que Denis le portait quand il a répondu à des questions, donc il me semble, hein. Je dis pas de conneries, mais oui, il me semble oui, que c'est comme ça. Potentiellement, il y a de fortes chances, parce que vous, normalement, vos plaques, vous les avez autour du cou. Oui, donc moi, je pense que le but pour se sortir de cette merde... C'est plutôt de défoncer les accusateurs et de faire en sorte que si la haute cour prend conscience qu'il y a une brebis galeuse parmi eux, parce que je pense que si on y va et qu'on dit il y a une brebis galeuse à la presse et tout, on va se faire défoncer. Ouais. Parce que je pense qu'il faudrait plus contacter. Tu veux qu'on vende l'information disant qu'il y a une brebis galeuse à la haute cour contre le fait qu'ils nous innocentent d'un seul coup. Ouais. Et les médias se retournent. Je pense qu'ils feront le ménage tout en restant discrets, et donc du coup ça n'entachera pas la réputation de l'école et de leur haute cour. Ils utilisent leurs moyens de pression pour nous dégager de trucs, parce que au final s'ils nous a mis dans la merde, c'est leur moyen de pression et rien d'autre. Donc j'aurais tendance à dire qu'ils peuvent nous en sortir au même titre qu'ils nous ont mis dedans. Et après, on joue profil bas, et au bout d'un mois, c'est bon, on récupère nos badges, quoi. Ouais, sauf que moi, ma couverture a été grillée, et que maintenant, mon frangin ça, et ma sœur... Ça, faudra que tu le gères en dehors de l'enquête, hein, mais... Oui, oui, ça, je suis bien d'accord, on mais... On pourra pas le rattraper, ça, hein. Ça, je pourrais pas le rattraper, c'est mort de chez mort, donc... Je suis pas dans la merde, moi, par contre. Merde, je voulais dire un truc... sur ce que tu avais dit au début, est-ce qu'il y aura du sang? On aura droit de frapper à sang quelqu'un? Non. C'est pas très. Alors. Ah merde, oui, c'est vrai. Non, c'est parce que j'ai besoin d'un punching ball là. Sinon, il y a de la masque. Oui, alors lui, pour alors le moment, lui, genre, c'est pas le moment de le frapper. Lui. Alors lui, non, moi je lui ferai. Écoutez, vous, moi, sur un ring. Voilà. Écoutez, je suis pas certain. Vous, moi, vous êtes enregistré. Je suis pas certain que ça vaille le coup. Moi, j'achète 4 en coordination. Je vais le voir et je le fais demain, stand de tir. Non, moi. Pouf, balle perdue. Voilà, c'est ça. Ouais. Et là, j'étais en train de nettoyer mon arme, et le coup est parti, il l'a pris dans le pied. Je trafique mon arme, non, je trafique la sienne, elle s'enraye, le coup part à l'inverse, bam. Au revoir. Eh ben oui. Non mais moi, c'est à la fin de l'enquête, je fais, vous, moi, un ring. Protection autorisée. Voilà. Il nous aura lâché la grappe. Lui, j'en fais un. Moi, j'en fais copie du mèche, et pas vous. C'est ce que j'en fais gaffe, protection. Hein, ouais. Si tu retournes le Narga après, t'auras juste un ennemi qui te rendra vraiment mauvaise au SAD et qui va te surveiller tous tes enregistrements, et au premier écart, il va te tomber dessus. C'est pas. Je m'en fous, mais c'est lui qui l'a cherché de toute façon, de base. Donc. Voilà. C'est vous qui êtes accusé, hein. C'est vous qui avez plus vos plaques, hein. Pas lui, hein. Pour le moment. Mais... Ouais, bah attends que je récupère ma plaque et puis lui, je lui fais faire un entraînement à ma façon. Moi, j'aurais tendance à dire que bon, il y a peut-être moyen d'aller le voir à la fin, quand on aura récupéré et qu'on sera lavé tout soupçon, et de lui soumettre tout un tas de flyers comment s'enrôler au COPS. Oh putain. Oh, le taunt ultime, quoi. Ah oui.
Ou alors tu réussis à trouver son dossier de renvoi du COPS et malheureusement tu l'envoies à tout le monde. C'est bête ça. Oh, c'est pas mal ça aussi. Ouais, c'est sale quand même. Mais Ah oui, c'est sale, mais bon, attends, c'est pas moi qui ai commencé. Hein. Bon, que ça vienne de toi, ça me semble logique, parce que cette histoire t'a quand même mis vraiment, vraiment dans la merde, dans le sens que... Justement. Bon, nous, on peut peut-être finir en prison, mais bon. Oui, mais on reste des flics en prison. Oui, bon, après, ça va aller, hein. Non, pas avec la haute cour qui fait « Ah, on les a mis en prison, et ben, on va tout faire pour vraiment qu'ils soient en prison et qu'ils reviennent jamais de la prison. » Pas sûr que ce soit leur but ou qu'ils cherchent à faire ça. Oui, je sais, mais ça peut les arranger quand même. Non, parce que techniquement, ils sont convaincus que c'est vous qui avez tué Maître Lomax. Je pense que le mec qui a tué, donc a priori c'est Ralph Padigan, je pense, hein, tout le désigne en tout cas. Il s'est dit, tiens, je vais convaincre tous mes potes que ces 4 gus là, enfin 5 gus, ils ont tué machin, alors que c'est moi qui l'ai fait parce qu'il allait me démasquer. Pouf pouf, ni vu ni connu, je t'en fume. Hein? Ouais, j'ai pas pensé au coup de négocier directement avec la haute cour, mais ouais, c'est une occasion. Le mieux, ça serait qu'on se soit... De toute façon, la fin de ce scénario est libre à vous, hein, de toute façon. Donc c'est vous qui décidez... Après, l'idée... Moi, je pense que... Comment ça va se dérouler? On va arriver à minuit, on va devoir essayer de sauver le gamin. Va probablement y avoir la castagne, à un moment ou à un autre, je suppose. Idéalement... comme on a ce qu'il faut, en fait, je veux dire... je pense que... Le masque, là, avec l'espèce de vision, va nous permettre de trouver l'endroit, en fait. Tu sais, comme, c'est, comme une espèce ouais. de marqueur... Il faut prendre ce masque. Ouais. Et du coup, pouf pouf, on aura un chemin tout fléché pour y aller. Après, on y va, bon, bah, on fait surprise. Et puis on cavale. Ouais, c'est le meilleur... Je pense que c'est le bon truc pour... De toute façon... C'est clair que le coup de les dire vous avez une brebis galeuse chez vous, c'est un bon truc. Essayez, voilà. Et en même temps, tu vois, on leur fait, voilà, nous on a les informations. Faut leur mouiller le stagiaire, enfin entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut le balancer dans la piscine. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse au stagiaire? Non, mais c'est ou quelqu'un qu'on connaît, à qui on a confiance, que comment on lui donne la clé du. Sur le stagiaire là, au moment où vous parlez, il vous envoie un message en disant qu'il a réussi à déconner l'accès, sauf que c'est marqué que les droits ont été révoqués. Comment ça? Il est mort, maître Wax. Ouais. Je crois quand même pas qu'ils vont laisser les droits sur un Drungle qui était à mettre Wax alors qu'il est cané. Pas faux. Mais bon, on a les... Oui, mais on a... Ça veut dire que toutes les photocopies... Enfin, toutes les impressions qu'on a faites, on les met dans le casier avec les affaires de Mélissa. Bah, je partais du principe que c'était déjà fait. D'accord, bon. Oui, ouais, c'est un très bon principe, en fait. C'est déjà fait. La question, c'est qui a le code ou la clé de ce casier? Parce que je pense qu'il faut qu'on soit plusieurs. Je pense que c'est un code et que vous l'avez tous. Ouais, ça doit être un D'accord. code à mon avis. Je pense pas que ce soit une clé, ça doit être un code et comme ça on l'a tous. Comme ça, si on se pointe et que le casier est vide, ça peut être que l'un d'entre nous. le journaliste qui vous a suivi et qui a pris en photo le code. L'idée c'est est-ce que avec ce qu'on a, ça pourrait suffire à convaincre des gens. J'ai encore l'enregistrement ou audio. Ouais, ça pourrait marcher. Faut voir, hein, de toute façon. Ouais, c'est un peu faible, il n'y a pas de lien de cause. Je suis d'accord. Si ça va marcher ou pas, quoi. C'est d'accord. Il nous faut juste le pourquoi de l'incendie du Vault, parce qu'on a. On sait pas pourquoi c'est parti, en fait, ce truc. Idéalement, il faudrait peut-être, une preuve de... comment il s'appelle? De Padigan dans un gros tas de trucs chimiques, tu vois.
avec une chaîne en or, tu vois, avec un gros dollar qui brille, par exemple. Et qui fasse un wedge. Si on prend ça en photo, je pense que c'est bon. Tu vois, on l'a, le mec, là. Le... Mais je suis pas certain qu'il soit d'humeur à nous la faire, quoi. Alors, moi, ouais, je te propose un truc, c'est qu'on lui fout un somnifère, on l'embarque, on l'emmène chez un des gangs, etc. On l'installe au milieu de justement de la coke, du truc, et hop, on le prend en photo et puis on le ramène chez lui. Voilà. Le truc qui peut être inquiétant aussi, c'est que vu que c'est un mec qui doit s'y connaître vachement en droit et qu'il a une école assez riche pour faire son truc, il va probablement inonder le marché en fait. Ah bah, a priori, il couvre ses arrières, ça c'est certain. Hein. On pourra pas l'avoir en direct, ou alors il faut vraiment une preuve. Pour un flag. Ouais, exactement, c'est ça, faut un flag. Il y aura rien d'autre. Mais ça, c'est si tu veux l'arrêter. Et là, a priori, on est plus parti. Donc tu peux pas l'arrêter. On est plus parti pour négocier avec lui. Ouais. Alors en France, c'est pas de problème, mais. Ça te met dans la merde au niveau du fait que bah, t'es censé être arrêté, t'es censé pas être là, quoi. Cops un jour, enfin flic un jour, flic toujours. C'est. Oui, même si on n'est pas censé être là. Mais en fait, sur la loi, non. Oui, je sais, c'est. Alors, en France, si un citoyen est témoin d'un acte, il a le. Et qu'il est en. Et il a le droit de police judiciaire. Hein. Oui. Mais. Ça veut dire que t'as le droit de restreindre la personne. Hein. Oui, mais là, un, on n'est pas en France, et deux. Oui. Un, vous êtes mis à pied, et deux, vous allez continuer à enquêter sur quelque chose qui était. Ah bah, oui, c'est sûr, non, mais. À moins que ça soit sur la voie publique, si c'est dans une propriété privée, c'est vous qui êtes en tort, même si c'est interdit. Attends, on a pas trouvé le dongle dans le bureau de Maître Wax, on s'est pas introduit chez lui, il traînait par terre dehors. Oui. Le vent l'a amené là, à nos pieds. Le disque dur aussi, et le. On l'a absolument pas pris sur une scène de crime. Non, bah non. Mélissa nous l'a confié avant de retourner à l'université. Ouais. Voilà. Et qui peut témoigner elle, ça elle devait nourrir les poissons. Ah merde, elle est morte. Hein. Elle devait nourrir les poissons, c'est dommage. Elle a dit, je retourne à l'université, je m'y sens comme un poisson dans l'eau. Oh putain. Ah bah, je sais pas si elle fait arrondir ses fins de mois avec ça. Je ne peux pas le dire, mais. Pour le elle reste... voulait rentrer dans la police, de quelque façon, elle s'est c'est un petit peu jetée à l'eau, quoi. Hein plouf. Ouais. Bon, donc je pense que la semaine prochaine, on va faire de la diplomatie active. Diplomatie. Ouais, bon, ça manque de sabre laser quand même, mais. Bon, je vais arrêter l'enregistrement. Tu savais à quel point je désirais un punching ball là. Ah putain. Bon, ben, dites au revoir aux téléspectateurs. Pas aux téléspectateurs. Ah, mais... au revoir les gens.